راكم مع رضا صديقي وراكم تسمعوا زيد كاس الو اليوم غادي نزيدو كاس مع صافي بوتلا كنت انا بودكاست بودكاست مع امين Euh, l'une des raisons, c'était cette grande frustration qu'on avait parce que gars les légendes à la musique ou à Tatrafa en général, j'ai mis comme ça dans des entretiens, dans des podcasts. Et là, en fait, euh, on a juste la chance d'avoir l'une des personnes qui a marqué l'histoire de la musique algérienne, qui a marqué notre génération. On, on s'estime vraiment heureux de avoir échangé avec lui, d'avoir vécu ce moment avec lui. On s'estime heureux, en fait, de... Le voir en fait, c'est une légende vivante, surtout qu'un les chanteurs, c'est un Il y a eu une période qui a été difficile, où on a perdu énormément de gens qui, qui étaient très importants pour la culture algérienne. et En tout cas, pour moi, c'est un peu un survivant qui est, est encore là. C'est un survivant, Reda, c'est une légende vivante. on a justement à la les les générations qui ont fait de lui ce qu'il est maintenant, de, de son enfance, de l'armée, de la guerre d'Algérie, de de la période de terrorisme, des films, des choses monumentales qu'il a faites. Et en plus de ça, on a eu la chance de faire de l'archéologie interne. Et il nous a livré un épisode, je pense qu'il va devenir culte. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très très bon épisode, ma. si je devais me mettre à parler de comment on a euh, comment cette expérience s'est réalisée j'ai pas envie de rentrer dans qui était là ou qui n'était pas là ou quoi parce que ça après ça dessert. Euh, ah d'accord, bah, pas de souci. Ça, pour, ça pourrait desservir. Euh, bon, tout le monde sait que Khald rigole beaucoup, tout le monde sait que Khald euh, se lève à l'heure qu'il veut, etc. Mm. Et donc, euh, mais comme tout, beaucoup de chanteurs ou beaucoup mm. de d'artistes. Moi, moi, mon boulot, c'était pas de de me réveiller quand je veux et d'aller faire un truc. Mon boulot, c'était exactement ce qu'il y a dans la sur la pochette de cet album, par exemple, tu vois. Mm. On voit un mec debout, c'est le chanteur, et puis on voit un mec assis qui regarde par la fenêtre. Et c'est pas pour rien. D'ailleurs, c'est c'est Chris qui avait fait la photo. C'est mon frère Nordine Boutella qui a fait le setting du. On avait décidé ensemble euh, d'arrêter avec les, les pochettes de disques avec. Euh, tu sais, à l'époque, ils mettaient toujours des nanas. Ouais. Comme comme les rappeurs, quoi, un petit peu, tu vois. C'est vrai. Une belle nana sur une bagnole avec euh, des mecs, tout ça. En couleur, flashy et, <laughs> ouais. et kitschy et tout ce que tu veux. Et nous, on avait décidé de faire un truc différent puisque de toute façon la musique euh, allait être différente mm -hmm. euh, et vue de façon différente, conçue de façon différente. Euh, donc d'abord, on est passé de la couleur à du noir et blanc. Et puis je ne sais pas si tu vois sur la pochette, il y a, y a des verres de champagne, il y a ouais, des ouais. verres de trucs. Ça veut dire que il n'y a pas de tabou. Mm -hmm. Nastarai, Machita. C'est vrai, je rebouis tout ça, donc on a mis la réalité. Et puis le mec qui est assis derrière, il qui regarde par la fenêtre parce qu'il voit loin et mm -hmm. il a un objectif d'aller loin avec ce truc-là, d'accord Donc le, la, la, la pochette dit, dit tout ça. C'est ça la scène qui a été pensée. Absolument. Ouais, ouais. Euh, le fait moi, mon propos, c'était n'était pas par rapport à Khaled ou, ou les gens de ah oui, comment... surtout C'est surtout euh, ton, ton process en fait de fabrication t'as qu'on a parlé de la musique de film tu as, as maintenant tu as, t as aussi fait tout mais de dire comment tu tu, tu travailles est-ce que tu d'abord les musiciens après tu, après tu est-ce que tu les fais revenir est-ce que tu enregistres tout après tu travailles toi-même ça c'est c'est très important en fait donc comment on récolte la matière et on la travaille dans le dans le process il y a, y a un million de choses euh, que ce soit pour la musique de film que ce soit pour des arrangements euh, pour des chanteurs ou que ce soit pour euh, soi-même euh, composer ou quoi c'est ça se, je, je le fais vraiment d'une manière complètement euh, euh, diverse mixte avec un million de techniques euh, différentes des techniques de débrouillardise des techniques académiques des techniques euh, Sensitive, des techniques. Prendre la voix, c'est déjà prendre la matière, d'accord Tu as la matière brute, et puis ensuite, tu fais tourner la chose dans ta tête, tu écoutes, d'accord, bien sûr. Euh, si c'est un film, tu regardes la séquence, ou tu lis le paragraphe de. le paragraphe qui décrit la séquence en question, du scénario. Mm -hmm. Et puis après, moi, souvent, je vais me coucher, en fait. Je vais m'allonger. Oui, parce que il y a toujours un moment magnifique dans le, euh, propice à la, à la créativité. C'est juste avant de s'endormir, comme juste avant de se réveiller. Juste quand tu te réveilles, quand tu te dis, je dois me lever. Et à ce moment-là, tu dis non, non j'attends encore dix minutes les dix minutes haddock pendant lesquelles tu attends euh, qui peuvent se retrouver euh, devenir 3 trois heures d'ailleurs ouais. tu me <laughs> ou alors euh, ou alors tu te retrouves à, à dire ah merde mais ah ouais il faut euh, je vais me lever pourquoi ah oui je dois travailler sur tel truc ah ouais le morceau la séquence est adique tu se retrouve tout seul en face de je sais pas un détachement de l'armée française de tic -tac, et, et je pense à une musique et j'ai toujours à côté de moi, soit incarné avec des portées, d'accord, mm -hmm. de, de musique, donc euh, soit tout simplement du papier et un crayon. J'ai toujours du papier et un crayon partout, dans toutes les pièges chez moi, <laughs> pour mille raisons, parce que j'écris tout le temps, partout. Et là, à ce moment-là, Jenny Fekala, par exemple, euh, comme le thème de... Hadle, truc, t'as ou alors on va parler de celui de... J'avais fait la musique de Fatman Sumner aussi. J'ai un tapis parti. Tu, tu l'entends ça Tu vois, je l'entends. Et à ce moment-là, quand je l'entends, euh, je me dis note, et note-le. Ou alors, et alors parce que tu es paresseux dans ce moment-là, et puis, puis c'est tellement confortable d'être au lit avec une idée géniale. Parce que c'est une fulgurance, une tafibel, que c'est exactement ça qu'il faut. Et en plus, quand tu entends, tu n'entends pas que le tarim, tu entends tout ce qu'il y a derrière. Les harmoniques et tout, ouais. Exactement. Et donc, euh, si tu te lèves pas, tu es dans la merde, quoi. Alors tu passes ton temps à essayer, par exemple, d'inventer de, de, des

et après, je m'endors ou je me lève ou je truc. Et souvent d'ailleurs, je fais ça. Ou alors maintenant avec le dictaphone aussi. Oui. Et souvent d'ailleurs, je fais ça. Et puis en fin de compte, je finis par faire totalement autre chose. Et pour une séquence donnée, je peux faire quatre, cinq, six motifs différents, atmosphères différentes, harmonies différentes, etc. Et euh... mais c'est c'est vraiment. Quand on le fait quand on le fait c'est presque je dirais c'est pas une routine parce que c'est quand même très magique euh, euh, de faire de la musique ou de faire de l'art ou de faire. Euh c'est très magique quand quand tu vas puiser au fond de toi euh, du signifiant euh, sensible du. Mais tu, tu, tu cherches tu cherches un fond de temps, mais un truc très intéressant que que tu as dit genre dire que a tu te sens bien c'est ça c'est à dire que ça ça t'apaise cette mélodie que t'entends avant de te réveiller bah là voilà. ça t'apaise bah parce que tu as trouvé parce que tu as trouvé ce que tu dois faire mais après il faut le cracher quoi après il faut le sortir. Le mettre oui, sur le papier c'est ça, est ça comme... qui est un peu plus douloureux Mais quoi du coup ce qui est connu le passage à l'écrit c'est toujours euh... et puis, des... ce que parce que pourquoi je te dis ça parce que lui il m'a raconté une fois euh, que il y a certaines vannes y a certains clés de ton spectacle le avec le moment c'est le meilleur moment pour moi pour trouver les je crois que les meilleures blagues de mon spectacle je les ai trouvées à ce moment là et je crois que le pire c'est quand tu te couches confortable et tu te lèves pas et tu te réveilles et T'as tout oublié. Moi, des fois, oui, oui. D'ailleurs, d'ailleurs, oui. oui. Euh, moi, je fais assez souvent. Je, je fais tout en réalité, mais ça, je le pratique aussi. En me disant la chose suivante, euh, tu, vois, tu te bagarres avec toi-même, en réalité. Et c'est très con, parce que quand tu trouves une idée d'arrangement pour une chanson, ou une intro, une conclusion, euh, si tu trouves euh, ce qui va le mieux pour telle séquence, pour un film, d'accord? Parce que, voilà, il y a la, euh, la Kabylie qui se révolte contre l'armée française etc elle est sûre qu'elle va perdre ou elle mais ils vont comment ça s'appelle énergie du désespoir etc ils y vont quand même ou c'est costaud tout ça tu trouves le truc quoi il faut que tu cherches tu cherches tu cherches et tu trouves vraiment le truc il y a un mot qui est un peu savant Idoine. mais idoine, tu trouves le truc exact c'est le no ou t'écrive ou t'envoie ou t'inscris là tu Ouais. Bah c'est ça ou toi-même ou le le <laughs> tellement bon c'est tellement bon quand les gens te disent dormir c'est mourir oh là dormir c'est vivre à l'aise <laughs> et donc je fais euh, des fois je me dis

le doute ah, ils ont ils ont le eh hey, le doute ou comment on va faire avec toutes ces dababats ou les avions le faut tout ça comment on va faire ça à mais on va y aller quand même tu vois et parce que le, la mission le devoir est tellement plus importante que 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 vivre sous les bottes ou et donc, tu te dis ça, et, et, tu, et tu fais, tu inventes des méthodes. Tu te dis, tiens, je vais me rappeler comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et à force de le faire, eh ben, tu finis par t'endormir. <laughs> et tu t'endors comment, en réalité? Tu t'endors souvent en trouvant une, une, une bête d'idée, quoi. <laughs> une? Une bête d'idée. Une bête d'idée, en trouvant, hum. en réalité, un, un super prétexte, <laughs> un alibi. <laughs> je à terre. Que, Et vous savez que ce que je fais, moi, je me dis pas grave. Ça va revenir. Non. Ah. un ça ça Et je trouve ça tellement poétique que je suis fier de moi. Et le lendemain, ça Mais moi je pense qu'une bonne idée, elle revient toujours. Une bonne idée peut revenir, peut-être. Elle revient pas toujours. Elle... Ou alors, elle va revenir, oui, mais tu seras dans un autre contexte et ce sera pas l'objet. Et comment tu, fais? Hein? comment tu fais pour faire des musiques sur des choses que t'as pas vécues <coughs> ah bah c'est ça c'est ça le 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 c'est en, en ça d'ailleurs que la musique de film euh, c'est en ça que la musique de film euh, me me permet de faire d'élargir de, mon répertoire parce que je me sers de de ce que je fais malgré moi euh, parce que ça n'est pas ma vie euh, euh, dans la musique de film pour euh, après euh, ben ça me fait c'est de l'exercice c'est parce que jamais tu vas te rendre de babettes ou des bombardements attention à ce que tu dis ah et eh oui parce que j'ai pas 43 ans hein, ni 32 d'ailleurs <laughs> ben si j'ai vécu des choses euh... parce que si il a il tu tu avais dit ça ouais que tu avais j'avais 12 ans à l'indépendance ou je que comme as c'est très important et, et c'est quelque chose qui me qui est qui est euh, qui est qui est constitutif de moi de ma personne je suis d'abord patriote jusqu'au bout des ongles et non pas comme certains me disent ça a assigé Ah igouli oh tu as vraiment es vraiment euh... comment ils disent c'est quoi d'autre au lieu de patriote que hey, les ouates qui c'est tellement nationaliste qui m'a na vraiment je t'adore moutalik parce que es nationaliste là je te dis mais te nationaliste c'est quelqu'un qui aime son pays et plus rien autour alors que patriote c'est quelqu'un qui aime son pays mais il s'interdit pas d'aimer le, le reste du monde et heureusement d'ailleurs et donc moi je suis patriote à défaut d'être nationaliste et euh, c'était pour parler de quoi ça d'ailleurs C'était euh, le, le, vivre les bombardements et être Babette et voilà. Et, et oui, tu m'as euh... dit c'est constitutif de ce que tu es. Absolument, ça va pas. C'est totalement je suis autant euh, artiste, compositeur, musicien que lecteur, que patriote, que euh, euh, fou de de, de, de de cinéma, de littérature, de peinture, de pat... de que patriote, encore une fois, et c'est toujours patriote qui ponctue pratiquement toute ma vie, tout le temps. Même si euh, j'ai décidé de prendre une certaine distance à un moment donné par rapport à mon pays, mais c'est fondé un petit peu. Là, vous m'emmenez sur un terrain à, à la con. Je vous vois venir. Je me vois venir à, <laughs> à cause de vous. <laughs> mais c'est pas, pas inintéressant, parce que c'est bien de parler de l'Orba et tout ça, ou, ou du fait d'être. Euh, euh, de s'être euh... moi je dis que je fais j'ai fait un déplacement géographique un changement de point de vue quand je suis euh, d'abord j'ai beaucoup voyagé euh, je suis né pas du tout en algérie euh, euh, je suis né en allemagne j'ai vécu en Allemagne, puis après en Algérie, puis après en, en France. Après, il faut voir l'époque, quoi. C'est les années mmh. 50. C'est mmh. loin, quoi. C'est pas, c'est pas du tout la, la porte à côté. Et il s'est passé beaucoup de choses. Allez, on sortait à peine du Vietnam euh, et encore. J'avais quatre ans quand la guerre du Vietnam s'est arrêtée. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Euh, La guerre du Vietnam s'est arrêtée et la guerre d'Algérie a commencé. Tu hein sais, ils ont fait beaucoup de choses. les des copains, là. <laughs> bah, <absolutely>. Mais, <laughs> a, une fois, Reda m'avait dit un truc. <inaudible> Pardon, <inaudible> qu on se met à Parce qu'on parlait de quoi, déjà? C'est toujours au même moment. Euh, hey, c'est le. a <inaudible> t'as changé de point de vue. Parce que t'as beaucoup voyagé. T'as fait non, une, euh, parce un que déplacement tu, géographique. Oui, oui, déplacement géographique. Mais toi, ce que tu m'as dit surtout, c'est comment tu fais pour parler de choses que tu n'as pas connues cest des dire que tu n'as pas connu. Des fois je parle avec euh, des fois je parle avec des gens. Euh, J'ai eu une fois avec un ambassadeur une conversation tellement et qui, et qui dit beaucoup sur 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 le patriotisme en question. Après on va plus le nommer, on sait que c'est ça. Mais euh, c'était pendant le confinement où il euh, y avait que les il y avait que euh, les avions d'Air France. Qui, qui faisait le trajet entre... C'est ça. Alger ou Paris. Entre Alger ou la, Paris. Ou la, oui, d'ailleurs, c'était que Alger. Alger, Alger, Paris. Alger d'abord. et Voilà, ça. Augusto Anagotto, dis-moi, si je veux rentrer, si je veux aller à Paris, qu'est-ce que je fais euh, C'est compliqué ou... Il dit non, toi, en tant que binational, tu n'as aucun... Truc, tu pars à l'aise quoi. Il n'y a aucun problème, tu, tu veux partir quand tout non, je ne suis pas binational. je suis mono, qui mono, mono, mono. Jusqu'au bout, elle me dit Ah bon Ben oui, bien sûr, oui, pourquoi ben, on était on assis. parce qu'il a vraiment voulu savoir. Il y avait d'autres gens hein, et tout. On pourquoi, pourquoi tu n'as pas voulu prendre Pourquoi tu n'as pas la double nationalité parce que c'est presque une hérésie pour moi. C'est euh, par exemple, Fastaura, Mon père était adjoint de boumdienne et euh, on allait à l'école. On les vacances, et dina, on passait nos vacances Fesjbel. Tu vois, on passait nos vacances là-bas. Ça fait, fait le village. monsieur me suis Le village, mallogines, les réfugiés, la frontière algéro-tunisienne. Mm -hmm. Et au goutlou, il y a eu des soirs où j'avais huit, neuf ans ou neuf, dix ans, et pendant qu'on allait, parce que c'était l'été, puisqu'on était en vacances euh, t'as chao, mais il a fait l'art, ok, une hauche, des trucs, euh, machi, pas de, pas de richesse, rien. Du villages ça à l'époque, hein. Ouais, ouais, bien ça. sûr. Eh. Au bout d'un moment donné, on entend le bruit qui est resté dans ma tête, mais c'est, c'est le bruit le plus fort chez moi, hein, le bruit de, et c'est un des bruits qui me, qui m'amène. Bon, quand j'entends ça, je me tais. quoi. C'est un avion la nuit ou un avion le jour. C'est un des, des, des sons qui m'émeut le plus. Quoi. Parce que tu te fais plein d'idées quand tu entends ce son, etc. Sauf que euh, cet avion-là, alors que Kamennalash, dans la de ou je sais pas quoi, cet avion-là, on le voit. Puis à un moment donné, tu vois les, les lumières, d'accord Et on est en... Euh, on est en 58 59 mmh. hein ça veut dire 4 ans avant l'indépendance ouais. mon père narfou c'est pour ça qu'on est chez les amis hein, d'humtahum ta la famille nta chao fallard des sans entendre le football هكذا tu sur un mur ou tu le corps, et puis tu vois l'avion passer et puis après tu l'avion et puis après l'avion disparaît et il disparaît pourquoi parce qu'il y a une montagne tu vois et, et en fait l'avion passe derrière donc tu vois plus les euh, trucs clignotés mm -hmm. et ensuite bon je l'ai fait, fait plus courte pour le l'ambassadeur hein, mm -hmm. au bouton, Au gouteau à un moment donné juste après avoir euh, passé enfin disparu derrière ce qu'on savait être la montagne on voit le feu d'artifice que <laughs> d'accord? Et c'était quoi? Bah, c'était ce putain d'avion qui venait de lâcher une bombe. Ouais. Et il l'avait lâché sur qui? Skate, fait avec la famille, hein, a dit ma mère, ma sœur, mon frère et moi. Gadin C'est très impressionnant. Au chez il a le lendemain ou sur le surlendemain, il partait souvent pour des missions de trois jours, quatre jours, il foutait la ligne Maurice ou la ligne Charles, je sais pas laquelle c'était des deux. Mm -hmm. euh, et, et dans ces moments-là, tu ne sais pas si tu vas retrouver ton père, d'accord Et quand tu ne sais pas si tu vas retrouver ton père, euh, cette notion que tu as de du combat, de la résistance, de 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 la valeur de ton pays, le pays Algérie, il se met à à, à chaque fois, il grossit dans ta dans ta tête tous les jours, si tu veux. Donc ça, je le dis à lui. Le mot Algérie, il wood les gatassrine quoi. C'est constitutive de toi aussi, tout à fait. Et, au tout ça, c'est un exemple. Et le deuxième exemple, c'est juste avant l'indépendance, on s'endormait sur les... Moi, je m'endormais sur les genoux de ma mère, et juste avant, quand tu ou là il était minuit ou une heure du matin, ou quoi, tu ça ça fait donne-moi le croissant des rouges, donne-moi le truc, trahis le drapeau, d'accord donc je vous donne tous ces deux exemples-là va Tous ces deux exemples-là ne me permettent, m'empêchent, alors que ça pourrait être juste un geste anodin de prendre une autre nationalité parce que c'est con, plus confortable pour les papiers, pour voyager, pour circuler, tout ça. Tout à cause, juste à cause de ça, c'est euh, je n'ai jamais d'ailleurs même, même pas eu l'idée de, de, de le faire ça ne m'intéresse absolument pas du tout et je n'ai strictement aucune animosité ni arrière-pensée à propos de gens qui prennent la nationalité je m'en fous c'est mon mon histoire à moi bien sûr et après elle m'a dit ah je te comprends ça me badeuxt kharja ya terrible et je lui ai pas répondu. C'est dommage parce que tu, tu le mérites, pourtant, tu le mérites. Oh, non, soft power, Tu <laughs> T'as envie de dire des gros mots, non? Euh, bah, Eh, <laughs> hey, nos parents sont, sont fans de, du podcast, ils écoutent souvent. Non, on peut dire des gros mots. Enfin, je pense que même un gros mot ne, ne, n'est pas, on va dire, n'est pas assez grand pour répondre à cette, G pas bien sûr, c'est vrai, c'est un grand mérite. c'est <laughs> un consul c'est un consul. c'est la peine parce qu'après il va se reconnaître, il était pas c'est pas c'était un bon gars. Hein. regarde c'est comme ce qui se passe en ce moment hein. C'est un bon gars, mais ça c'est plus fort que lui. <laughs> c'est c'est <laughs> <'est -à> <laughs> ça, hein? ça, ça ouais. veut dire le que nta عندك كل امكانيات وكامل les qualités pour être un français, machi ghir algérien. C'est ça C'est ça. Ça veut dire on est là nous et vous toujours vous êtes là. Mais moi je te comprends, je, genre, ça résonne beaucoup en moi parce que moi j'ai le même problème Ouf. que toi. Mais bah, Paul, eh, moi, ça fait 15 ans que je suis là et tout le monde me dit euh, pourquoi tu n'es pas français et Moi, euh, en a souvent, je leur réponds que pourquoi Ben parce qu'il y a assez de Français. <laughs> C'est Écris, écris, pourquoi, on va euh, la au prochain line. spectacle. Pourquoi 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 est-ce que pourquoi est-ce que je serai le 68, 68 millionième Français Ça va pas à la tête ou quoi Et du, et, et du ouais. coup, vu que 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 rien, je veux qu'on revienne quand même vers le sujet à la con vers lequel on allait aller. Parce que moi, je veux savoir pourquoi cette distance, du coup. Distance de quoi Parce que c'est vrai que j'ai pris des distances à un moment donné. Tu je, suis, de... je suis tous les mois ou tous les deux mois à Alger. Oui, mais, donc, mais déjà, du coup, donc, donc la distance été que dont tu parlais, c'était par rapport à quoi ah, je me suis déplacé. J'ai fait un déplacement ah, géographique oui. qui, qui, qui d'office devient une, une distance entre mon ah, matériel. Île. Ah, donc c'est juste une distance physique. Là, bien sûr, ah. distance le existe. Non, zéir ahna Mais quand on rigole pas, c'est très profond quoi. C'est mais constitutif. C'est un mot trop savant pour ça. mais tu vois. Et c'est vrai que plus tu t'éloignes, plus ça grossit. En plus. Mais, le problème, c'est les problèmes de fonctionnement, des fois. Des, des fois, tu vois, quand tu fais des projets, c'est très problématique, tout ça. Très problématique. D'abord, j'ai eu un garçon, après, quand je suis venu ici, un enfant, donc, etc. Et puis après, j'ai fait un autre album, et puis après, et puis après, tu prends de, ça devient une, une, un mode de fonctionnement, et puis les choses sont plus faciles. Alors bien sûr que tu as pas l'art la, de vivre qui a chez nous et encore euh, il est tellement bafoué ces derniers temps. Mais Ana qui m'a une, ça me rappelle une, une influenceuse ou là une je sais pas quoi tunisienne. T'as je me disais. Elle dit Anna manish manish aïch fi Tunis c'est une tunisienne manish aïch fi Aslan. J'habite pas la Tunisie euh, non. Moi, euh, j'habite, j'habite, pas la France. Aslan. Aslan. <laughs> je marche. Je dis souvent ça en, en France ou ailleurs. Je marche à un mètre du sol, toujours. Je plane tout le temps. Je suis toujours comme ça. Je n'ai pas une vie parisienne, d'accord Bien sûr, euh, c'est plus facile d'aller acheter. Une, une bière ou des bières ou je sais pas quoi ici qu'à Alger. ou à ça il faut mettre ton casque il faut mettre tu vois c'est un, un merdier d'aller acheter une bière ou là, un peu d'alcool ou là tout ouais. d'ailleurs mmh. tu comprends mmh. mais euh, tu vois c'est bien quand tu peux tendre la main et trouver un truc parce que tu as d'autres choses à faire au lieu de passer ta journée à chercher un pneu tu vois ce que je veux dire c'est mmh. Et donc, après, ça devient ça, quoi. Et je n'aime pas l'idée, par exemple, d'être citoyen du monde. C'est une idée qui me fait le même effet que la world music. la même Merci. Euh, Merci de le dire. C'est la même tmenicologie. C'est débile. Pourquoi? C'est quoi le problème avec la world music? Là, tu vas pas rebondir sur tout, non? En tout cas, non, non, c'est important. Je vais te répondre. Quand tu dis ça, parce qu'on a un pote, on l'a engueulé pour ça. Qui <laughs> est elle World C'est un concept colon, presque colonial. Voilà, voilà. Bah ben merde, vous avez World Music. T'as, as envie de dire des gros mots. Tu. <laughs> voilà, vas-y. Alors tu as besoin. Je, je, je eh, suis pas engueulé. Parce, parce que y a le roche, le roche dans tout. J'ai besoin de ça pour, c'est mon moteur en fait là. Ça, tu l'as Ouais, à la le <laughs> buzz, le buzz. Non, pas du tout. Pas du tout. En pas du tout. Pas du tout, en tout cas la distance, ouais c'est une distance quoi. Euh, je suis tout le temps à Alger en fait. Et je vais à Alger en reculons et je reviens à Paris en reculons. À reculons plutôt. Et je, vais, je et j'invente et, des, et j'e fabrique des toques. Euh, par exemple, une conf Gouliban, le billet voilà, on t'a pris on t'a pris un, t pris un, un aller un aller simple, une Qui m'a à il m'a dit: "Oui, tu rentres chez toi." je rentre chez moi. Je dire: Alors voilà, maintenant, à partir de dorénavant, qui me dit à partir de dorénavant, me dit: "Je me Je pars ailleurs et je rentre en Algérie. Je ne rentre jamais en France, même si c'est euh, une posture même si ça ressemble à ce que tu veux tu sais là où je rentre moi pendant la décennie d'accord j'étais il y avait c'était juste après coucher juste après mejnoun 92 mm -hmm. je rentrais à alger d'accord et je me rappelle d'une fois mes parents et euh, on habitait à châteauneuf dessus à côté Biar où il faut graffer un quartier, c'est mon des asphodèles. Ouais. Alger. Voilà. <laughs> et alors, euh, je me rappelle que, parce que c'était très important de partir d'ici et d'aller à Alger quand, quand j'étais ici, je les informations, il y a de à la, sera ça, et toutes les, mais moi, je rentrais dans mon pays. Mais quand même, en arrivant, il fallait être prudent. Il fallait être ceci, il fallait être cela. Le Il y avait ma mère, mon père, etc. Et il y avait. Je me rappelle deux fois, je l'ai fait. Je me suis dit, je vais aller jusqu'aux asphodèles. Ça veut dire à peu près faire 700 mètres ou, ou un kilomètre. Et je l'ai fait pieds nus il faisait pas froid hein. j'ai pas fait le héros là mais je voulais parce que la sensation de la terre il a, même il a fait la hajarou là parce ça dit ici je marche à un mètre du sol à londres je marche à un mètre du sol à L.A. je marche à un mètre du sol à alger je marche les pieds dans la terre tu comprends oui. et ça c'est très important pour moi les gens ils ils chauffent ou mal ils chauffent je pire mais bon les machers hafien ou quoi mais c'était très important je sais pas où on en est de du pitch mais le moi j'avais un j'ai toujours une question parce que Hnaya qui est connu de Zair avant c'est-à-dire avant Manzedo Reda un an Reda quatre-vingt-onze moins quatre c'est comme si qu'il n'y avait pas ce besoin de distance géographique Là où je veux en venir, c'est que qui Kierright, après service national, Tara, américaine, à Boston, est-ce que tu as senti cette distance Ou est-ce que tu as la sensation que les... Est-ce que cette... cette je ne sais pas si c'est une rage ou un truc, une colère, qui j'ai l'impression n'existait pas dans les années 80 enfin, Je ne sais pas, je n'étais pas là. Et du coup, vu qu'on a l'occasion de... T'avoir, je voulais te poser cette question et, ça et cette question me trottait dans la tête depuis le, depuis le début. Quand je suis parti aux États-Unis, c'était pour, euh, pour étudier. C'était pour me retrouver dans ce fameux College, college of Music, Berkeley. Mm -hmm. euh, donc, c'était avec un retour euh, officiel, quoi. Et même quand j'étais là-bas, j'étais là-bas avec une bourse. Une bourse, t'as un piston, mais une bourse quand même. Ou le piston, c'était le premier ministre de l'époque. Mm -hmm. À l'époque, J'étais à Paris et je passais mon bac. J'ai passé mon mon premier bac à Alger, mon deuxième ici à Paris. D'accord. là, j'ai habité partout et tout le temps à Alger, ici, là-bas, l'Allemagne, en Tunisie, en Italie, en Égypte, avec un père militaire, tu vois. Oui, les tu militaires. voyages. Ouais, et puis comprends. après, euh, mais. Il y a eu une année, j'ai croisé, parce que je faisais la manche, de, du côté de la Tour Eiffel, dans les jardins de, du Champ de Mars, hein, donc, il y a des petits trucs entourés de, de buissons à Aka, et il y avait des bancs dedans. Mm -hmm. J'allais avec ma guitare là-bas, et je faisais des, je jouais, ak -dak, tout seul. Et je faisais aussi la manche. Je faisais la manche sur, euh, croisement, Saint-Michel, Saint-Germain, tous les cafés. Je les faisais tous, fait de l'île, de 22h à 1h du matin. Je j'avais pas de. J'ai réussi à ramasser beaucoup de fric, d'ailleurs. Et je pensais partir euh, pour la rentrée en question en septembre. Ça, c'était en 73. Donc, à peu près euh, mai, juin, juillet, août 73. Et. Un jour, j'ai rencontré. Un jour, j'ai. Non, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Un jour, quand je jouais dans le champ de mars, j'ai. Il y a deux filles qui, qui qui rentrent dans le petit truc là, le petit, petit petite placette, tout habillées de cuir avec des franges ou des trucs. C'était des hippies. Mm -hmm. euh, on est en plein dans la période. Oui, hein. exactement. On, on est en soixante ouais, D'accord. Et alors après elles s'approchent et elles me font des, des compliments et tout ça. You have a, such a beautiful uh, whatever voice. Uh, what do you think? Uh, what is that Et je dis mais c'est original, c'est moi, c'est mes trucs. chanter mes propres ah c'est compos c'est okay. mes propres compos okay, euh, ouais. même pas structurés d'ailleurs euh, mais j'ai mes compos et que je chantais en franglais en, en, en yaourt en que ce que, que je pratique souvent aussi d'ailleurs mm -hmm. et euh, et elles m'ont dit, il y a une école, tu devrais aller, c'est à Berkeley, tu vois. c'est marrant. Ouais. Elle me dit, nous, on habite à, elle me dit, moi, j'habite à Cambridge, c'est de l'autre côté de Boston. Elle me dit, c'est à Boston. Là, on part en Inde parce qu'on fait un voyage euh, initiatique, hein, euh, machin, mm -hmm. et on va revenir dans un mois. Dès qu'on arrive à Boston, je t'envoie le, le bouclette, euh, le fascicule, l'otal. Hein. À l'école. Et elle l'a fait. Tu vois et c'est là bon, je raconte un peu dans tous les sens mais c'est là que j'ai commencé à faire la manche pour faire le machin et tout ça et c'est là que aussi euh, mon père qui était militaire m'a fait le coup de euh, me dire j'ai reçu ma carte militaire après mon bac j'ai fait un an de philo un an de d'anglais un an de tout tout juste pour avoir le sursis et et, euh, et à ce moment là je reçois la carte et, au goût de mon père, parce qu'il avait quand même une certaine influence. Bien sûr. goûte où je vais, ou là, qu'est-ce que je fais, parce que là, je suis pas, machin. En plus, je sortais avec une française, j'étais amoureux, j'étais ceci. Et je voulais finir de faire ma manche, faire, faire mon frère. Aïe, ça. bien sûr, hein. Aïe, aïe. Aïe, Et, <laughs> et, et et donc à ce moment -là, à ce moment-là mon père il me dit non c'est rien on est euh, on est jeudi redois vendredi prends le vol pas quand tu trouves une place prends le vol on va dire la visite médicale lundi tu lundi mardi tu es de retour shah Allah <rire> exactement <rire> <Allahu Akbar. rire> le problème c'est que ma goutte <laughs> C'est vrai, hein, je suis arrivé là-bas à Alger euh, vendredi soir avec une cartouche de Winston et une brosse à dents. Voilà ouais, mon truc. J'ai rien pris puisque j'allais rester trois jours. Fais les à Exact. Et donc, euh, à ce moment-là, j'arrive, et hey, il fait un en plus, ramadan 73. Je sais pas si tu vois, mais en 2013, si vous regardez sur Google, là où il se passe plein de choses en ce moment, il s'était passé quelque chose. Je sais pas, si c'était la guerre des six jours ou autre chose. Ouais. Mais en tout cas, et donc l'Algérie était en état d'alerte ou en plein Ramadan. Je suis en train de faire la chaîne. De la chaîne Parce qu'à l'époque, on pouvait fumer n'importe où. تكيف المطار آل و و في المطار الجي والناس معمره الغاشي والعياط وهذيك تو فيم تو موند ونسمع بوتلا بوتلا الوغ مو تورن كوم سا شوف سي واحد يقول لي يصور لي هكذاك يقول لي تي رفيس بوتلا قلت له وي قال لي دو ما تون باسبور كوم سا جو تفي باسي اغب اغب Ah je te fais passer tout de suite parce que la chaîne bizarre putain et alors euh, en effet je un euh, t le passeport et le passeport je l'ai retrouvé deux ans après <laughs> attendez bon. euh, il m'a il m'a <laughs> en effet on est sorti très vite mais pour pour se retrouver très vite dans la merde ablida <laughs> Ah, blida, bravo. Ça ouais. Et à, pour, à, tu viens demain au ministère de la Défense euh, à 10h et on entend une quoi, il n'y a pas de problème. Et donc, je vais le lendemain, samedi, à, à 10h, au ministère de la Défense, j'étais attendu, ou quoi, dans une pièce, une pièce, très avec architecture russe plafond très, très, oui, très, 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 très haut, euh, ouais, ouais, et, euh, et, 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 je reste là-bas de 10 heures à 13 heures, ouah, dit dans la pièce, ou dans la pièce, ça dit que très, très, très grande, le hall, là-dak mais au moins 20 mètres sur 15 mètres, quoi, très grand, et une seule petite porte. J'adore ces trucs-là, c'est très, Très russe. Tricky, yes. C'est influence. À un moment donné, il sort et il dit, deuxième classe Boutella, bienvenue dans l'armée algérienne. C'est là que tu sais que ton père t'a fait un plan, la classe. Il dit, j'allais partir aux États-Unis, il y a mille moyens, comme mille moyens de me gouverner. Tu sais où je suis, Derrub tout ça. Après je reviens, je serai plus utile pour le pays. Galina, tu vas voir, ça passe très vite. Tu fais le truc et tout ça. Gali, voilà. Euh, passe un bon week-end, dimanche, lundi, regarde, le Bleda, la. le À l'époque, il y a Oui. À la 10 heures, tu vas à l'entrée de poste de police. Ils vont s'occuper de toi, tout ça. Eh ben oui lundi matin non pendant tout le week-end avec des copains, on a essayé d'inventer une euh, que ça har harga, bien sûr oui oui par le Maroc, mais après on a parce que j'ai des amis et moi aussi je suis aussi boule que sage donc la sagesse a prévalu parce que c'était en état d'alerte ça veut dire que les frontières morouline et tout ça tu vois donc on s'est dit c'est pas grave fais d'abord les six mois d'instruction bas de euh, à terre. Et en fin de compte, c'est intéressant tout ça. Euh, je croyais qu'on allait parler d'autre chose, mais pourquoi pas. C'était intéressant parce que je me rappelle que pendant les, les... Tu sais que pendant les premiers 45 jours, tu sors pas de la caserne. Du tout. Oui. Le, tu fais le parcours du combattant, etc. Oui, attends, tu fais voilà. tout, tu fais les ouais. chiottes, tu, fais la, <laughs> tu, tu laves euh, les trucs de... Euh, quel hein, quel est mon père eh. est un Souvenir de mémorable. Et je... Euh, et euh, <laughs> Je, je, me rappelle qu'un jour, j'étais dans la, d'abord le premier jour, c'était un truc incroyable, parce que, c'est pas, c'est, une histoire, c'est rigolo. D'ailleurs, comme j'écris un livre, c'est dedans, ça aussi. Mmh. Mais quand j'arrive, euh... quand j'arrive, euh... j'arrive, un gars au poste de police, dans la petite salle, il y a un aucun garde, garde, t'as le poste de police. Là, il y a là, il n'en avait rien à foutre, ni de ma présence, ni de mon absence, ou là, la belle, je garde, lui, a.

j'ai dit, non, c'est pas vrai, je vais pas me retrouver dans ça. Au contraire, ça faisait, je crois que ça faisait cinq ans, le, le bled, tu vois. On chauffe des mecs avec la je me dis, je ne pourrais jamais supporter ça, et puis je ne peux pas, j'ai pas envie, je ne vais pas rester. Eh ben, non, tu finis par fermer ta gueule, fermer ta gueule, fermer ta gueule. C'est pas des compromis, c'est des, euh, c'est du bon sens et c'est des décisions à prendre. C'est en tout cas, c'est des choix que tu fais à ce moment-là. Et c'est comme ça. C'est toi. C'est ta chimie à toi. Euh, tu restes en fin de compte, d'accord Il y a une part de masochisme aussi et il y a une part de stoïcisme aussi si tu as envie de parce que tout ça, ça se mélange et ça se rejoint. eh mmh. ben je te signale qu'à un moment donné, Enfin, quand euh, dernier ma présence, je pars avec lui et on fait tout le tour de la caserne, il ouvre le les, les bâtiment à la section Rahnorgut, il ouvre les tac, il dit que les il rentre dans un hangar mais à 20 mètres de haut, 150 mètres de haut, <coughs> il est avec le cellome et tout ça, et tout ça, et tout ça et il, y feu, et il y les est là avec, où me le faut c'est une nouvelle vie quoi. Nouvelle vie, hé, distance. <laughs> distance. C'est ça, la vraie distance, en <laughs> fait. J'avais <je> oublié, là. t'as même être... tombé de <laughs> distance, <laughs> là. Passe-moi. Et tu imagines, toi, il me lançait de là-haut. يطيش لي سروال طينغ يطيح في الارض نحطو انا عطاني كابا قبل ندير في الكابا من بعد طيش لي قاشر ومن بعد يلوح لي سليب قد <applause> هكا يدخلوا فيها خمسه من الناس شوفوا <applause> او فيتا ومن بعد ومن بعد يطيش لي باتو باتو انا جوج دو 45 عيط يلوح لي باتو غاز دو 42 بتي قال لي من بعد نبدلوهم C'est-à-dire, toutes les misères du monde, tu vas te les envoyer. Bla bla bla, <laughs> <laughs> Ça répond à ta hallucinant, question. Hallucinant, hallucinant. Non, ah, c'est, c'est, euh, Après, il t'amène dans la chambre. <coughs> la chambre, il fait un petit muret, qui a une 25 lits, graca ou 25 lits de l'autre côté. On va déjà l'île, pour, euh, pour dormir et tout. Putain, ça, c'est aussi, c'est, tu apprends à vivre, hein. D'abord, il y a le réfectoire. Quand tu rentres au réfectoire avec plein de mecs et tu sais que c'est tous c'était tous des il y avait, à l'époque ils prenaient tout le monde mm -hmm. euh, même des médecins qui avaient 40 ans il fallait faire le service militaire obligatoire mm -hmm. et il y avait des jeunes de 20 ans ou je sais pas quoi ou anafrost et euh, etc. mais euh, on allait bouffer et il y avait aussi surtout nazarin mm -hmm. tous quand même des étudiants Oui, cas, cas, parce que c'était le bled c'était les officiers mon père a fait voilà, ça Voilà voilà mm -hmm. c'est ça et aussi il y avait aussi déjà des médecins ou je sais pas quoi et c'est là que j'ai appris c'est pour ça que j'ai remercié beaucoup mon père après de m'avoir fait ce coup qui m'a blessé sur le moment mais j'ai appris à aimer mon pays et à devenir moins con grâce à l'armée d'accord et moi je suis pour l'armée attention j'aime ça j'aime ça pour euh, mes raisons on peut on oui, oui bien sûr voilà et oh, donc je problème. me souviens que quand euh, parce que j'avais des des a priori des trucs tu vois l'habit qui fait, qui fait qui fait le moine, ou des choses à quelque fois de alien me de rouge alors que des fois je m'asseyais avec un mec qui il ressemblait à rien qui m'a dit philosophe des, des trucs j'étais heureux et je je commençais à peine je crois que c'est là que j'ai commencé à devenir l'algérien que je suis complet total. Euh, euh, incassable, un truc, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Le vrai algérien, je l'ai appris comme ça, petit à petit, par petites injections, de découvertes d'hommes, d'hommes, les vrais hommes, tu vois, et les vraies valeurs. Et je me rappelle que quand on rentrait au réfectoire, par exemple, troll Il n'y qu'en dernière minute, le bebe, C'est comme les trucs as, Apple, quand ils sortent le truc. <laughs> <quoi>. Waouh <laughs> Tout le monde se précipite, bravo euh, J'en ferai une autre tout à l'heure. Et... Euh, eh bien, ils ouvrent dans donc tout le monde rentre. Et dès qu'on rentre, il y a les tablés, d'accord Les tablés, il y a ou la hachara Et le, déjà, le plat, il est installé. shorba avec des belbaks d'accord à <laughs> ouais, parce que ah, tu as, as faim il y a beaucoup ah, oui. de protéines en plus hein. le hein il y a beaucoup de protéines il y a des protéines <laughs> hein. euh les trucs de survie euh, <rire> <rire> et il y a ça et, et, et après jibou par exemple Et au milieu hein, de il y a huit parts de viande et ben il y avait des mecs qui ils jourtak et ils prenaient quatre parts pour eux tagat la montagne et moi c'est là que je voyais. Et qui c'est les mecs qui prenaient à quel ham tout de suite comme ça C'était les médecins et les trucs, <laughs> tu vois. Et là j'ai appris qui étaient les hommes. Bah du coup le bon ta tan tas torslo, donc c'est des grosses marmites comme ça à la sortie du réfectoire, tu les laves, mais tu les laves pas avec du savon, ou de, de l'homo, ou de la, ce qui pourrait être envisageable. Mm. Non, qu'est une remède, parce que c'est vrai que tu laves bien, brumel. Ouais. Ça enlève tout, ça récure, avec le khalif, la marmite, le lendemain, d'ailleurs, tu la retrouves noire aussi, c'est la vie, quoi, tu vois. Mais, c'était un peu long mais c'est pour parler c'est pour dire comment euh, en fin de compte il euh, y avait des visites aussi par exemple le week-end il y avait des visites mais là, là j'avais personne là- bas ou et de loin je regardais et il y avait les familles qui venaient emmener emmener. amener euh, hey, hey, les le week -end. Le week-end, euh, euh, avec, avec du poulet, ou rushta, ou, ou le gâteau. Eh, eh ben, moi, euh, des fois, des copains, ils quelques trucs, ou quoi. Mais surtout, ce qui, qui me, ce qui me faisait drôle, c'est, je sais que je suis beaucoup passé du cocalade là, mais non, mais allez, c'est des petites choses qui sont révélatrices de. de c'est que par exemple quand tu restes 45 jours euh, sans voir de la couleur, quand tu ne vois que du kaki et du noir, je te jure que tu peux devenir fou. Et les visiteurs, les loin, quand tu vois une femme, déjà de voir une femme déjà rouge, <laughs> d'accord, et quand tu vois en plus de la couleur une femme habillée en rouge, le jaune et des enfants, c'était merveilleux

poste de police, qui c'était au téléphone C'était ma mère. Bon, c'est grâce à mon père, pas à ma mère. Elle peut pas avoir accès comme ça. Donc c'est ma mère qui... Allô Oui, c'est maman. Ou peut-être... excuse c'est C'est ton père et tout ça. D'ailleurs, tiens, je te le passe. me téléphone. <rire> <rire> passe ton permis, passe ton service et t'inquiète pas. Et comme ça, tu pourras aller faire ton école avec une bourse au lieu de la faire en mendiant ou là en allant chercher des trucs et tout en ça. tu T'as payé avec deux ans d'armée ouais. l'école quoi, en gros. Donc ouais. c'est pas c'est pas totalement du piston quand même. Ce que tu dis tout... <laughs> que tu l'as payé de ta chair. <laughs> Absolument. Euh, et, et, mais seulement après, en enchaînement direct, euh, <coughs> je me disais, comme il était prévu qu'après 45 jours ou après 6 mois, en fin de compte, j'ai changé d'avis parce que je me suis adapté et j'ai appris des choses. Et les choses positives te rendent meilleur. On est bien d'accord. Mm -hmm. Elles te rendent tellement meilleur que finalement elles agissent sur tes ton système de décision et tout ça et mmh. après partir ça devient fatigant ça devient peut-être con pas intéressant et puis tu pèses le pour et le contre et puis à ah, fin de compte une bourse et tiens et si ce n'était pas si con que ça en réalité et comme me les deux ans un déférateur fro. Vous les raiboul les Ah ouais, pardon. Et donc <laughs> euh et et euh <coughs> j'ai fini en juin 79. Non, en non, c'est 73. Juin, en juin 75, ouais. Donc deux ans après, ouais. En juin 75, je termine et mon père, il a il a oublié. En tout cas, j'entends pas parler de quoi que ce soit merde de Lish, tu vois. Oui, oh, il souhaitait que j'avais que j'ai peut-être oublié de parce que mon père est un artiste, en fait un militaire haut gradé, à Fennan, il aime il la musique, Beethoven, l'Anka, Farid Latrash, Mahler, Chopin, c'est un c'est Oui, oui, très ouvert en plus et tout ça. Et et c'est lui qui nous a appris à écouter la musique, à apprécier, etc. Donc, mais il voulait pas que Anan ou le fenan c'est-à-dire. Trop le milieu, oui. Si, comment s'appelle ça? l'image vie, les images, les images classiques. Et donc, euh, je lui ai dit, euh, non, Géli il m'a pas, papa, tu as pas oublié quelque chose, tu m'avais pas fait une promesse ou quoi. si, si, si j'ai pas oublié, euh, mon père au Maroc, ou là, attaché militaire, en je rentre, on va rentrer dans, 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 dans une semaine ou la deux semaines, et je vais m'occuper de ça. Voilà, chef, le premier ministre de l'époque, le premier non, c'est pas le premier ministre, c'était à l'époque. Il est devenu après ça, mais c'est de la culture. Non du tout. C'était le. C'est en ça que réside le piston. C'est euh, il est il était euh, PDG d'Assonatrak, C'est Dahmed Rosali PDG Ah d'accord. Et pourquoi il est allé le voir lui Parce que euh, il y avait plein d'envois de d'étudiants hydrocarbures aux États-Unis, Houston, Boston, partout, 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 partout mm -hmm. tous les États-Unis. Quel ou est-ce que tu peux pas danser des fourneaux que Est-ce que tu peux pas glisser mon putain de con de fils qui veut faire de la musique Il veut aller dans cette putain d'école. Est-ce que tu peux faire ça Quel oui, je peux le faire. Et lui, je l'ai revu après, c'est dames Rosalie, et je l'ai remercié. Comme j'ai remercié mon père d'avoir de m'avoir fait faire l'armée et donc comprendre mon pays et l'aimer à ce point. Oh, je l'ai rencontré une fois, non, plusieurs fois après, mais la première fois que je l'ai revu. Gutlou, vous n'avez pas regretté d'avoir envoyé un saltimbanque, Bank, parce qu'après mon nom, vous de la Je faisais des choses déjà. Bien sûr, juste après. Goutlou, j'ai servi le pays, Ou Oudert, service militaire, ou oudert, Et j'ai fait le service civil après. Oui. Parce que quand on m'a demandé de rester aux États-Unis dans l'école, quand tu fais un cursus de quatre ans, on te demande si tu veux rester enseigné. Ah, je dis non, j'ai des choses mieux à faire chez moi. Ou ou Kirjat La bourse a dit que tu fais quatre ans d'études et tu as sept ans dans l'entreprise, sur la traque. <coughs> donc j'étais au service social, au département euh, culture, au dé département je sais pas quoi. Au... Événementiel, au truc, Ils ont un département... Euh... Non, non, culture. Culture, c'est tout. Et donc qu'est-ce que j'ai fait pendant sept ans euh, J'ai fait... Euh... J'allais à Hassim Sout, Hassir Mel et tout ça, emmener des cahiers de musique, des instruments de musique aux enfants de travailleurs. D'accord? Et ça, je l'ai fait. Je dis sept ans, alors que ce n'est pas vrai. C'est pas sept ans. Parce qu'il s'est passé encore des jolies choses. C'est que, au bout de cinq ans à son alors que j'étais donc, euh, travaillé dans les bureaux, qu'un truc hum. qui était horrible, quoi. Je me tape le service militaire en bas le travail dans le bureau. Alors qu'un artiste, je voulais faire autre chose, quoi. À un moment donné, le directeur de, des affaires sociales, il me convoque dans son bureau. J'avais fait, à l'époque, j'avais déjà commencé à faire des musiques de films, puisque j'en ai fait en 79, mm -hmm. et que je suis sorti, en fait, de Sonatrack peut-être en 84. Euh, j'avais fait un premier concert assez énorme à la salle Atlas, qui s'appelait le Majestic à l'époque, mm -hmm. à Bevelwood, un un, 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 concert énorme sur combien, je sais pas combien de jours. Euh, avec des musiciens électriques et tout ça, plus des casse bas plus une formule en tout oui, cas. Comme je, comme t'as l'habitude de le faire ouais, après. Je, je vous la montrerai après peut-être. Et euh, <coughs> je faisais donc ça et mon nom, il y avait des articles sur moi dans le journal. Commençait à ouais, commençait oui, à. Oui, ça à... ça buzzait quoi, tu vois. Mmh. Alors qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. De, mais, mais il m'a convoqué au Gulli. Voilà, euh, je pense que vous allez être plus utile dehors euh, en, faisant le, en faisant votre métier. Vous apportez beaucoup à l'Algérie plutôt que de rester ici. Vous, je vous fais cadeau des deux ans. Oh, bah. <laughs> c'est des coups, ça. Mon Dieu, ça te... J'ai quoi de l'émotion C'est incroyable, c'est beau. Et, et, et ça aussi, c'est de l'apprentissage de, des hommes, qui sont les hommes, qui sont... Et un jour, je me rappelle d'ailleurs, je fais un concert à Ibn Zaydoun période Oui. Plusieurs années après, et je finis le concert, je sors le dernier, bien entendu, avec des gens, au Moraya, etc. Plus la famille, plus ma fille qui court autour de moi, plus machin. Je sors et à un moment donné, il y a une ouah de rage, la gueule, dit, bonjour Monsieur Boutella, ma C'était, je sais pas, quatre ans après ou là, je sais pas, ma Arftouj. Au bout du, merci beaucoup pour ce concert, c'est très beau, tout ça. Tout merci, beaucoup. à qui est ce l'honneur, je compte à Annie. Euh, tout ça, le lycée Ben Hamza. Et c'était le directeur des affaires sociales. Ah ouais. Il, 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 il ah ouais. Badja, ou où il souffle en concert, où il est content, au Farhan. C'est des concours de circonstances merveilleux et des situations merveilleuses. Vraiment, quoi. Eh ouais, bah. ben. Très belle histoire. La vie, c'est ça. Ouais, on, je vous ai fait faire un grand tour. Là, ah, là, non ça, ça commence. Avec Haïr Avec Je Donc, t'as as vu les deux américaines <laughs> Une, c'était ma petite <laughs> amie, oui. <laughs> Parce que deux autres à service militaire, elle n'avait plus de nouvelles, mesquine. Bah oui. Ah, Affirmative. plus de nouvelles. Il y a scénario. <laughs> Ah, non, moi, il y, y a de la suite dans toutes les histoires. Ah, ah ma boule. Je l'ai appelée dès que j'ai eu la bourse. D'accord? Ou, rahtel Première personne que j'ai vue, c'est elle. Ah. D'être ni dans sa voiture décapotable. Je me rappelle, as le, le pied sur le de bord les américains Et je me dis ouais ça, fait bled. Souffle, parce ça. que les couleurs parce l'absence de couleurs <laughs> les couleurs <ça> chromatique <laughs> <laughs> ben oui yeah. c'est vrai c'est vrai <laughs> les, savons, ah, les bruits l'anglais. Eh, <laughs> a, a, a à droite, il y a vraiment les pieds sur le truc tu vois. <laughs> La ah, classe, liberté totale, euh, la femme euh, autonome <laughs> ou chicure, pardon. Mais allez, tu me <laughs> laves le décapotable. Tu apprends à vivre. Ben hein. bah oui, c'est ce que j'allais te dire. Alors que par exemple, <coughs> celui qui, parce qu'il a grandi dans une famille à l'aise, normal du début jusqu'à la fin, qui a une maison d'enfance alors que j'en ai jamais eu, qui a euh, été faire des études normales, tranquille, un doux brioches fait le goûter au coucher. Qu'est-ce qui retient Il Lui retient rien du tout. Un homme le faut, le tarte, le 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 Et quand tu es dans la merde, ça te donne du courage pour euh, pour faire des choses belles. Et tu sais capitaliser surtout. Attends, tu sais capitaliser surtout si tu es comme moi, un Capricorne. Plus race, d'accord. que et c'est-à-dire, oui, quoi c'est que tu fais de la musique et tu fais de ta catharsis parce qu'il y a quand même des traumatismes qui sont accompagnés <laughs> euh, sur la guerre d'Algérie, on va l'armée, on va... <laughs> pas même Paris, c'est pas évident parce que quitter. Enfin, le, le fait de ne pas, c'est très intéressant ce que tu dis sur euh, l'absence de maison avec Reda, on en parle souvent. Euh, Anna par exemple c'est pas peut-être la vie d'Alida mais Anna je je dis Alida toujours je me sens dans des Airbnb quand je suis à Paris je n'ai jamais <laughs> senti que la neuf d'art c'est d'armane à vallée ou la d'armes benimsous je n'ai pas de tu vois je, je n'arrive pas à trouver avec le lien avec dar et, euh, et mais non euh, le lien avec ta Tadari il est là bas oui mais en fait le truc c'est en que, a que, même là bas Mandi non, non mais, oui c'est ce que je ouais. c'est à dire que je fais le parallèle avec moi c'est à dire moi si je si je pour pour être un peu empathique et ressentir ce que tu, tu peux ressentir c'est que le fait que tu n'es pas ça c'est pour ça que t'as un rapport enfin je sais pas si c'est une relation de cause à effet mais t'as un rapport avec la terre c'est à dire que il y a que la terre il y a pas une construction il y a pas des murs il y a pas c'est juste l'art de et tout ce absolument c'est ce que je et du coup c'est à dire que tu démarres de cette terre là et, et tu vas donc à Boston, décapotable, le truc, Berkeley, nanani, les Jasmine, les trucs. Après tu tu vois, t'as es, une espèce de d'excroissance, de, de, je sais pas comment l'exprimer, mais ça, va, je, je manque de mots, mais ces sentiments là. La base. La base. Oui, c'est l'Algérie, la, c'est le seul endroit base. où tu as les pieds sur terre. Oui parce que oui parce que euh, euh, Épidermiquement parlant, c'est le cas, euh, et c'est le seul endroit au monde, on est bien d'accord. Il faut savoir ce que ça signifie rentrer chez soi, pour le pour le dire comme ça. Euh, quand tu rentres chez toi, il faut savoir que c'est le seul endroit où win win troh Il t'arrive quoi que ce soit, jasehiri Tu vois? Euh, tu vois, c'est il y a ça, il y a une espèce de non, c'est ta terre véritablement parce que ça fait très longtemps que tu en fais ta terre. Parce qu'au départ, quand tu nais, tu peux être né au Japon ou n'importe où. Mm -hmm. Petit à petit, se construit cette idée de tes origines de ton implantation mmh. d'accord c'est un mot à la mode aussi ça <laughs> ton implantation tu vois vraiment quoi dans implantation il y a tu, y, tu vas avoir aussi implication mot à la jeunesse d'accord je veux qu'elle s'épanouisse je veux qu'elle réussisse je veux qu'elle soit heureuse ma jeunesse je veux qu'elle soit un jour, vraiment, quoi, tu vois, à défaut d'être encore en train de chercher parce qu'on n'y est pas encore arrivé. Et, et si tu veux, tout ça, tous ces concernements, tous ces niveaux différents, mais niveaux de conscience, euh, tous convergents vers l'Algérie, venant de l'Algérie, etc., font que c'est plus que ta terre, c'est No comment. Il y a rien à raconter. Il y a rien à. Y a rien à dire quoi. C'est. Tu pars là-bas. Bon en plus maintenant là où je vais ma Safi, ou ça je me mmh. dis où selfie partout c'est un aéroport dehors dituche partout, partout partout j'ai un nom qui s'est construit un petit peu quand même il a un peu d'allure d'accord et puis surtout une allure très sérieuse, très une allure atmosphère euh, quoi ça, donc c'est bien mmh. d'accord et donc je me sens bien aussi euh, je me gargarise pas du tout de ça je suis pas un fan de salut. Je suis pas ça, mais euh, ça réchauffe le cœur. Quand des gens, quand ils écoutent dire Herak, par exemple, ou et je le fais jouer, faire Herak, avec une chorale de jeunes que j'embarque avec moi dans dans mon idée de mon pays, dans ce que je veux pour mon pays. J'embarque des jeunes avec des drapeaux, tout ça. Ou Adir fait la sono, l'autre fait la table de mixage, six fois comme celle-là. Mmh. sur son dos parce qu'il était costaud comme ça et tout hop trois quatre là tu peux la trouver sur Google, Google. Ah ouais, tu vois ça et ben, et ben quand tu vis ça quand tu vis ça me je te c'est c'est là-bas chez toi imagine que j'aille juste à Tunis où j'ai déjà vécu ou la Sfax ou la Rabat ou la Safi une <laughs> ville, Maroc, euh, ou la Casa, ou la Meknes hein, ou n'importe où. Ouais. En vérité, on a beau se dire j'ai un ou tout ça, non, c'est pas vrai. Tu n'es pas chez toi au Maroc. Tu n'es pas chez toi en Tunisie, c'est pas vrai. Tu, tu peux le faire au bout d'un un petit exercice, quoi, de, de, de mise en place, d'adaptation. Oui, c'est vrai, je, je, je me sens bien ici. Il de... y, y a un traducteur qui s'occupe <laughs> de. Il y a un traducteur simultané, mais ou là, à Londres, ou là, je suis le citoyen du monde, le citoyen du monde. Je et je plane. Et c'est pour ça que l'aviation, ça me convient d'ailleurs. Je plane. C'est que tu veux de en... plus en plus voler. Non, non, je, je suis un Algérien en circulation. Tu vois? Je change de point de vue. Il y a un mois et demi, j'étais là-bas. Wow. Et je pars dans une semaine. Inchallah. Mm. Oui. Et ouais, ça m'a valu le service militaire. De pas dire, une chose. <laughs> je te dis, c'est jamais n'importe qui en Et donc, euh, non, j'aime bien cette idée. De, et et l'Algérie me préoccupe tout le temps, autant que des fois, quand je vois certains résultats ou quoi, je me dis qu'ils sont en train de foutre. allez, elle tourisme, pour qu'on fasse ci, pour qu'on fait pas ça, etc. Ça me travaille, ça me préoccupe, et je me dis merde, j'ai pas envie de crever comme mon père, euh, déçu parce que les choses n'ont pas avancé euh, comme il aurait, comme on aurait, comme elles auraient dû, etc. Et ça m'emmerde. Mais bloody bloody c'est tout. Okay, je, tu je ressens sais. une certaine culpabilité Alors je vais te dire une chose. À défaut de dire que je ressens une certaine culpabilité, je vais te dire que ça m'emmerde, mais véritablement, profondément. Euh, quand des fois je regarde euh, <coughs> le temps et que, je, et que je me rends compte que ça fait presque 30 ans que Rani il barra mais Dach al c'est vrai mais quand même al barra alors que ce que je, je, je voulais à l'époque euh, quand par exemple dans les années 80 avec euh, le colonel Snoussi Ariad le Moto, j'étais un des rares motards en Algérie. BMW, RRR75, d'accord? Que j'avais acheté pour trois balles, balles, un Michel, un riche ou là. Que j'avais acheté pour trois balles, un rebut de la gendarmerie, d'accord? Quand j'allais avec ça et que je circulais, euh, pourquoi je parle de ça? Parce que de la culpabilité. Quand, à cette époque-là, à cette époque-là, j'ai pratiquement fait, euh, Presque 20% du boulot que j'ai fait donc truc. J'ai fait des musiques de films, des concerts, euh, des, euh, spectacles événementiels. J'ai fait l'inauguration de Riyad oui. en quatre En 84, d'accord? Oui. En mêlant avec les Touaregs, les trucs, ou de des oui, J'ai fait oui. je sais pas combien de choses. Et on était véritablement, on travaillait, on était plusieurs. Wahf cinéma, l'orf théâtre, leur peintre, leur machin et tout ça on fabriquait une Algérie qu'on avait, qu avait en perspective. Et on avait une Algérie heureuse et forte en perspective. Euh, quand après, je suis parti, je suis parti... Je suis toujours parti puisque je suis déjà parti aux États-Unis, j'étais oui. déjà parti par euh, cette fois-ci je je jeزيد عاود cette fois-ci donc ce qu'il m'a dit on fait on oblige les gens à dire je oui. donc euh, non <rire> non <rire> oui <rire> quand je la, la la première fois que je euh, eh, qu suis retourné aux États-Unis quand j'ai 10 ans ferme je marchais pas de des fois, pour j'ai fait des concerts ici, New Morning, tout ça, mais je rentrais. Et, euh, après, quand je suis vraiment parti, c'était pour faire coucher. D'accord? rien. Trois mois, je crois. De, non, de, non, si, plus que ça. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Voilà, cinq mois, à peu près. Entre Paris et Londres. Au bad outre Ou, bad, j'ai fait un spectacle. L'inauguration, justement. Non, pas l'inauguration, ça c'est en 88. On va le 5 octobre. Et j'ai tourné dans un film qui n'est jamais sorti, qui s'appelle... Euh, Mahamrzaq Alouach Mahamrzaq, salut cousin, non, c'était avant. C'était euh, Automne-Octobre à Alger, qui n'est jamais sorti. Ah, avec El Khadar Yamina Voilà, qui voilà. parle de la période... Euh, oui, tu as le 88. Voilà. Enfin, le 5 octobre. Exactement. Et donc quand je suis parti à cette époque-là, euh, c'était pour le boulot. J'étais parti pour le boulot. Je n'étais pas encore parti pour ces 30 ans que je mesure aujourd'hui. Mais c'était le début. Et c'est vrai que, après avoir enregistré Kouché, après en avoir fait ce que c'est devenu, euh, je suis revenu pour faire Mejnoun. Parce que, entre temps j'ai eu des contacts avec une maison de disques, etc. On peut faire, etc. Donc je suis revenu. Et puis après, menace, j'ai été menacé. Comme tous les mecs qui ont été menacés, et puis d'autres qui ont été exécutés, etc. Donc c'était une époque très très dure pour moi. Je voudrais pas trop en parler, pas parce que c'est trop dur, mais parce que si on ne dit pas tous les détails, c'est comme si on ne disait rien, mais... Donc je suis parti à ce moment-là euh, pour le boulot, d'accord Et puis ça servait à rien de rester fait le bled pour faire semblant de militer, ou là de se battre, quand même oui. que aucune arme, aucune possibilité de faire des concerts, aucune possibilité de jouer, de rien. Oui, c'était stagnant pendant 10 oui ou non Oui. Donc, je me suis dit, je fais mon album, je vais te je vivais... Très mal, tout ça. Mais j'ai fait Majnun. Majnun, c'est né dans ça. Et... Euh, à l'époque, nipki, qui, qui chauffe les, les, les news, les informations et tout ça. Sans mort, telle ville, bantalha, hadik, mine, je devenais fou, vraiment, quoi. Mais, après, c'est parce que tu me parles de... Tu m'as parlé de... de Culpabilité euh, Non, j'ai strictement aucune culpabilité parce que j'ai la conscience plus que tranquille. Par contre, je suis très en colère de ne pas avoir, euh, en même temps que beaucoup d'autres, réussi à fabriquer l'Algérie stable et épanouie que je souhaitais et pour laquelle je travaillais. C'est pour ça que j'ai parlé de l'époque de Riyad. En fait, ça a fait beaucoup. On n'arrêtait pas de faire des choses, tu vois. Et on pensait que ça allait vraiment devenir ça, ça et ça. Et non pas déjà sombrer dans l'abîme des dix ans en question. Euh, qui ont, ce qui a fait qu'il y a des gens qui sont devenus fous. En dehors des gens qui sont morts. Oui, oui. On n'en parle plus. Ah, mais il y a des gens qui sont devenus fous. Il y a des familles qui se sont complètement déchiquetées. Exploser en vol, quoi, tu oh, vois. On a tous dans, Donc, dans voilà. La famille, ouais. On a tous, on a tous du monde qui a disparu et qui Bien a, sûr. etc. Et donc, en fin de compte, c'est devenu une espèce de déception. Les Algériens, de combat en combat, de toute manière. C'est sans arrêt, quoi. C'est, l'Algérien, c'est ça, son, sa définition, son ADN, on dirait. C'est toujours, euh, tu vois, il faut te battre contre. On a, on a jamais atteint encore un stade de tant d'années, par exemple, gueule trois ans, t'as bénit, t'as, t'as tu vois. Eh, décapotable. décapotable eh, et euh, On a jamais. Donc, euh, j'ai pas de culpabilité. Je, 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 je suis très. Euh, C'est amer pour moi. C'est un constat amer. Euh... <coughs> Et je vois pas comment je peux remédier à ça. C'est ça le problème. Pourquoi pourquoi je il faut, il faut me dire vraiment pourquoi. Par exemple, j'ai fait euh, une proposition d'école. C'est un Berkeley plus, d'accord C'est présomptueux, non pas prétentieux de dire ça, mais je sais pourquoi c'est un. Présomptu. dis -le. Oh, là, là. On a besoin de ça, le. C'est pas prétentieux, non, mais... hein. Non. Je veux dire, on a de la chance, nous, de, 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 de t'avoir. Enfin, juste entre parenthèses, hein. Tu sais, t'as parlé de tous les gens qui sont morts durant cette période-là. on est on a une frustration énorme parce qu'on n'a jamais pu les rencontrer. Et nous, on s'estime très heureux, d'accord, de t'avoir là devant nous aujourd'hui parce que ouais. tu es une légende de notre génération. Oh, c'est gentil. Donc, ça veut dire que si tu nous dis euh, je voulais faire telle école qui sera euh, mieux que ça pour nous en tout cas c'est pas du tout prétentieux donc c'est pas prétentieux Continue. c'est généreux ou c'est en tout cas c'est c'est je te le dis comme je le ressens on, a une, on a une frustration énorme hmm. de de moi quand tu es rentré là à la maison et que je t'ai vu devant moi je me... tu sais genre j'étais en train de me dire waouh wow, il existe asma <laughs> dar nous, tu sais pas si tu te rends compte. Hassne, on, on le voit qu'en image. Mm. Pour nous, c'est un mirage, ce mec. Mm. Pourtant, il est là. Et toi, on a eu de la chance. T'as touché, t'es avec nous, es... C'est, donc, c'est pas prétentieux. C'est réel, tu es là. Euh, que le, 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 mot prétentieux, il était sorti juste parce que je disais un Berkeley plus, plus. Euh, plus, et... plus, plus, plus. Et... <laughs> plus sa mère. <laughs> non, quand je dis plus, le plus, il vient du fait que des, il y a déjà euh, Berkeley, c'est déjà... C'est une école, mais indescriptible, tellement c'est puissant. quoi. Une liberté incroyable, tu fais la musique que tu veux, tu vas chercher une clé le matin, tu réserves une pièce pour aller jouer avec tel ou tel autre copain que tu as rencontré dans une autre classe. Tu mets à tuer le saxophone, tu as de la piano. t'as puis les légende qu'elle a sortie dans toi. Tu réserves une pièce le soir à de 19h à 21h, tu joues, tu travailles... Ou ça, ou les conservatoires, tu un truc, ça vaut rien du tout. C'est pourquoi t'as pas réussi à faire ça Alors, j'ai conçu le projet, d'accord J'ai conçu le projet, école euh, de musique, euh, je sais pas quoi, et diplômante, d'accord Professionnelle et diplômante. Et ce que je voulais que ce soit... Quand, en fait, je veux pas en parler, c'est, juste parce que c'est la 179 millième fois que je raconte cette histoire, et qu'à chaque fois, on m'en parle aussi, et qu'à chaque fois, c'est devenu comme une espèce de réel, quoi. Voilà. Le truc qui n'existe à point, qui n'existe à jamais. Mais je continue. je voulais faire, moi, un Berkeley, win, ou la Janet, ou betna, ou sougro, ou n'importe quoi, khenchla, je sais pas ce que tu veux, d'accord? euh, à constantine, tout, 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 tu vois, ils viennent dans cette école, ou ils ma chie le, qui m'a fait Berkeley, le, du jazz, ou là, du classique, un petit peu, et de la musique de film, seulement. Pas ça, seulement. Le plus, il réside dans ce que je, dans ce qui va suivre. C'est que ce que je voulais faire, chez nous, chez nous, étant le centre du monde, c'est un goulag hein. Regarde où on est géographiquement. Regarde, tu as l'Europe euh, au nord, tu <laughs> as l'Afrique, non, l'Amérique, non, avec le, ou la, je, je sais plus qui. Ben voilà, c'est tout. Donc, cette place centrale euh, dans laquelle tu veux non pas euh, enseigner ou la faire aider à s'épanouir les Algériens, barque, mais je prends toujours cet exemple-ci. Euh, une jeune flûtiste norvégienne, d'accord En 40 ans, ou de 60 ans, 60 ans d'indépendance, on n'a pas été foutu de former vraiment des professeurs il y, y a des individualités il hein, de n'y mmh. a pas un corpus d'enseignement tu vois de, de, de profs de guitare de, 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 de sax de violon de batterie oui, des, des, des bataillons il y en a, a pas ouais, bien sûr parce, parce qu'on on est nombreux aussi bien sûr donc tu es obligé parce qu'on m'a posé souvent cette question le truc moi j'ai été en fait le premier jour je l'ai j'ai demandé audience au président de la République. Le bureau de Bouteflika. Bouteflika l'a fait descendre chez, euh, les, la ministre de la Culture à l'époque, euh, mm -hmm. Khalida Toumi. Mm -hmm. Là, après, je me suis retrouvé chez elle, qui était, oui, mais comment on va faire pour les équivalences, les diplômes? J'ai dit mais ça, ne, ne me dit pas ça, on s'en fout des, des, des diplômes, euh, euh, laissons les gosses rentrer. <laughs> tu vois, on a beaucoup d'artistes chez nous. C'est vrai. Et, ce que je voulais, c'est, alors après, il me dit, oui, mais alors, le corps enseignant qui fâche, les professeurs, ben, je dis, dit, puisqu'on n'a pas été foutu de le faire depuis 40 ans, parce qu'à l'époque, oui, oui. les oui. années se rajoutent. Et, la fait, perspective. Et, ouais. euh, on n'a on pas été foutu. et ben, on est obligé de le ramener d'ailleurs. Donc, je vais aller chercher une jeune flûtiste. Norvégienne. Norvégienne, parce que c'est Elle va venir enseigner à Alger la flûte. Elle va apprendre, elle, le gaspard, le naï et tout ça. D'accord? Voilà l'échange. Le l'yay men le Massar ou je sais pas quoi, il vient là-hanait apprendre le raï, d'accord ou eux, ils viennent enseigner la musique تاعهم, le chahata et compagnie. Voilà. Les Américains ils jouent là-hana parce qu'ils sont pas loin de du blues de Mauritanie ou même d'ailleurs de chez nous. Sahara, et etc. Tu vois, ils ont appris ça. Voilà où se situe l'échange. Tu as un mec qui va venir du Kenya, t'apprendre à jouer, je sais pas quoi, ou du Mali, il va venir apprendre à jouer de la cora ou t'as le mandol. Voilà le croisement que je voulais faire et qui est putain de gagnant, putain de gagnant, 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 gagnant. Tu vois Et ça, ça te faisait en plus de la 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 la, la les jeunes Algériens qui en plus sortaient à l'époque. 5 6 ans avant d'une guerre d'acte de fin de la de la la situation dramatique les Konafa à hein, macraou tu vois macraou pendant cette période là où, où leurs parents euh de quel bord ils étaient, Madame Mardrouche dire ou quoi que ce soit. Donc on a, on s'est retrouvé à cette époque-là avec une jeunesse à qui il fallait offrir quand même des perspectives. Et c'était pas à l'âge qu'ils avaient peut-être de pouvoir faire des études, je ne sais quoi, de, de, de médecine ou je sais pas quoi. Ou un des trucs. Ils ont, ils avaient des, des de la matière brute. Ouais. Du talent mm. et de trucs et une énergie incroyable, tu vois. Et donc c'était pas seulement pour offrir à ces gamins là de chez chez nous la possibilité, le bonheur d'apprendre et, et puis après d'aller ailleurs aussi parce que quand tu fais rentrer des étrangers, mais ça c'est ce que le pouvoir chez nous sans être dissident ou quoi, mais mm. c'est ce, ce dont le pouvoir a peur, ils veulent pas que les étrangers rentrent parce que ça risque de, de trafiquer la mentalité, etc. etc. Mm. Alors que non, il ne faut pas avoir peur justement, « les étrangers » ou « les Algériens » comme ça la mentalité va changer au fur et à mesure. Non pas pour devenir Las Vegas ou la Starbucks ou la, tout ce que tu veux comme partout, mm. mais pour apprendre, pour s'enrichir. Moi, j'ai appris parce que je suis parti. Sûr. Sure. – Et tout le monde apprend parce qu'il est parti. Donc. Et apprend en rentrant. <laughs> exactement. Bien sûr. Et, et 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 on peut pas me reprocher d'être parti et de ne jamais être revenu. Je suis revenu de partout où j'ai été. Oui, déjà, tu vois. Et donc, cette école, personne n'a jamais été foutu de savoir l'affaire, m'aider à l'affaire. Ben, dis-je, drah, manam, dis-je, des sponsors, pour mettre, parce que je veux la construire, l'école. Bien sûr. Je ne veux pas, des fois, des gens me disent, oui, mais ton truc, il est trop, près, il est trop, trop, tu vois, trop grand, c'est du gigantisme. Goutou, blanakbira, j'ai de, blanakbira. On a besoin de grandes, de grandes, Bien sûr, oui, je veux construire. Je veux qu'on construise avec un, avec, un, avec un campus, avec euh, etc. Et dans l'école Hedic, tu as aussi une salle de concert. Et la salle de concert, tu as les élèves qui vont faire des concerts dedans toutes les semaines. Quand tu fais des concerts, tu nourris la télévision, tu nourris des chaînes, machin, tu vois, qui vont venir. Tu dire, nourris les médias. Tu, diffuses chez toi, tu diffuses tout le temps, c'est un truc... Euh, mais c'est d'une synergie à tomber par terre. Aqdek, tout libled, tout shab, tout tu comprends Et dedans, il y a aussi un, une, un magasin de musique. Il y a tout dedans. Mon, mon, mon document, il est comme ça. Là-dedans, tu avais des, un truc de magasin de musique. Location d'instruments de musique. Il faut savoir quand même qu'en 2005 ou quoi, il n'y avait pas d'instruments de musique, nom de Dieu. Ouais, c'est vrai. De temps en temps, ouais, des quatre pianos, six guitares, pour qui, tu vois. Mm. Et donc, voilà. Un écosystème, en fait. C'est au-delà d'un d'une un, d'une d'une école je comprends mais de toute façon c'est des c'est des moyens colossaux c'est des moyens institutionnels qu'il faut tu peux pas tu qui sont euh, à la hauteur oui et qui sont sûr. à la hauteur de ce pays qui est grand bien sûr non non le, 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 maintenant le but tout, qui existe et tout tout existe maintenant est maintenant euh, la culture étant que ce qu'elle est mm -hmm. souvent le parent pauvre euh, même dans d'autres pays euh, Malheureusement, beaucoup de politiques ne savent pas que avec la, la culture, tu rapportes peut-être plus qu'avec l'industrie automobile ou ah oui, ce ça, que tu veux. Avec, avec, hey, <laughs> hey, avec, avec la musique, le, le, le cinéma, l'art, euh, parce que tout ça, c'est des ambassades, des ça devient, tu fabriques des, amb des ambassadeurs. Mmh. Les ambassadeurs, c'est pas seulement des gens qui sortent de Lena et de qui qui, sont, euh, qui mangent des petits fours. Les ambassadeurs, <laughs> c'est des gens qui vont chanter à gauche et à droite et à... sur scène. Et voilà, <laughs> c'est tout. Je vous ai parlé de l'école de musique. <laughs> Quand, tu tu, tu, tu nous as de déception, euh... ça. Attention, c'est énorme. Hein. Il y en a d'autres. Ah, je... hein? Il y en a d'autres. De déception, quoi. Ouais. Non, non, non. Celle-là, c'en est une très, très importante parce qu'elle rejoint, parce que si tu veux, la, moi, bon, je suis pas un donneur de conseils ni de rien du tout. Des fois, on m'oblige à en, en donner, mais ça m'emmerde plus qu'autre chose. Euh, euh, mais si tu veux, euh, il faut qu'on apprenne à grandir. Et euh, tout ce qui me préoccupe, c'est ça. quoi. C'est pourquoi on ne fait pas Pourquoi Je comprends pas. C'était quoi ta question Pourquoi tu crois Est-ce que tu as, as d'autres déceptions Gutle, C'est ma plus grande déception. Oui, c'est la plus grande. Oui, parce que parce que je suis dans ce domaine, si tu veux. Je ne suis pas dans un autre domaine. Donc c'est ma prérogative, en principe, de de penser ça. Et si tu voyais le nombre de gens qui me disent alors cette école et alors cette école. Et tu sais, c'est comme un truc qui s'éloigne de, de plus en plus. Oui, oui, ça, ça C'est comme un écho. C'est quoi cette école, école <laughs> J'ai un prof de j'ai un prof <laughs> de musique qui vit là même chose pareil. les pareil c'est exactement c'est exactement la même déception et lui il est encore là-bas et, et c'est vraiment pas évident je la, je pense qu'un musicien et puis un artiste euh, parce qu'il est fabriqué avec ça euh, c'est limite pas un choix à un moment donné ça tu, tu deviens tu deviens ce que tu étais destiné à être et du coup, à la fin, tu clore ça avec bah, ce que tu as appris, ce que tu as transformé comme matière, de la redonner, en tout cas de redonner de... C'est comme ça qu'on upgrade les choses. Et on va pas refaire les les ceux qui viennent après ne vont pas refaire l'histoire. Il faut qu'ils reprennent à un point B. Et toi, tu as fait AB, lui il fait BD, BC, etc. C'est des c'est des gaps. Et et ben et quand tu arrives, tu veux tu arrives au B, et tu regardes derrière et tu vas dire non en fait, il faut revenir au A parce que là on n'a encore pas, on n'a pas. Je, je comprends. C'est comme l'histoire des professeurs qu'on n'a pas formés ou qu'on Exactement. Pas du coup, oui. comment tu fais aujourd'hui pour transmettre Ah, mais moi j'ai un système très facile pour transmettre. Écoutez ma musique. Ça s'arrête là. Tu écoutes ma musique, tu apprends. Non, mais je veux dire, t'es, es accessible. Est-ce qu'il des fois, il y a des artistes qui t'écrivent, peut-être pour te poser des questions? Ou il a peut-être, Tu sais, euh, la plupart du temps, parce que l'époque a changé et est devenue très conne. Et surtout avec les réseaux sociaux, que je salue connement. <rire> <rire> je dit, mais oui. Tu sais ce que, tu sais ce qu'ils me disent, les gens? Ça, voilà, voilà où on en est. Donc euh, aujourd'hui, les gens ne veulent pas forcément vraiment apprendre. Et aujourd'hui, les choses vont très, les gens veulent très vite devenir, voilà, n'importe quoi, khorti », avec avec n'importe quoi. Donc tu as des pseudo musiciens, de faux réalisateurs, de pseudo acteurs, euh, de très grands influenceurs. <laughs> Pareil. Mais, mais, les bons... mais 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 il y a quand même des euh... il y a des gens qui veulent apprendre oui voilà oui, bien mais oui bien, bien entendu oui, oui. il ne faut pas tout jeter, mais l'époque est étrange quand même euh, comment est ce que je fais avec les gens très sincèrement c'est comme avec mes enfants moi mes enfants je n'aurais rien appris hein. voilà. Sophia, ma fille, qui danse et qui était, euh, qui est comédienne maintenant assez puissante, euh, qui bosse et etc. Je lui ai rien appris. Euh, mon fils, qui fait exactement le même trajet que sa sœur, je lui ai rien appris. Les chiens ne font pas des chats. et ils m'ont juste regardé. Ils ont vu. Ils voient comment je fonctionne. Ils voient mes douleurs, mes détresses, mes victoires, euh, mon bon goût. Euh, mon bon goût encore, parce que tout est dans le goût, le bon goût c'est comme les arrangeurs quand tu as arrangé un morceau euh, tu peux l'arranger, euh, tu donnes le même morceau à dix arrangeurs, ils te sortent dix morceaux différents et souvent chez nous on a des arrangeurs qui veulent montrer qu'ils savent et donc ils en foutent partout et des cordes et des cuivres et des machins et tout ça, alors que tout est dans le mais ça se nourrit le bon goût le, le bon goût ça s'apprend ça s'apprend et euh ça s'apprend et une fois que tu l'as appris bien entendu tu, ça se nourrit mais il faut avoir les oreilles ouvertes à 360 degrés il faut être curieux il faut être euh, et il faut donner aussi euh, c'est pour ça que j'écris ce livre j'en parlais tout à l'heure je l'écris parce que je pense que j'ai vécu des choses tellement belles fortes euh, par exemple quand j'avais 15 ans je faisais déjà de la musique là te les trucs Zer et tout ça tu vois et à un moment donné mon père devient euh, euh, chef de je sais pas quoi euh, de je sais pas comment ça s'appelait de des blindés oui. corps blindés blindés et cavalerie d'accord c'était le patron de l'école de blindés et de cavalerie et de la cavalerie et donc euh, il habitait là-bas et donc euh, on habitait à Alger mais parce qu'on allait à l'école là-bas, les euh, vacances, kiff kiff, tu vois, et quand un jour, on a habité dans une maison, euh, qu'on lui a, qu a donnée, pour la famille, une, pour recevoir sa famille, une maison, c'était en 65, j'avais 15 ans, donc, euh, une maison de laquelle venait de sortir, en se sauvant, des colons, d'anciens colons, encore de l'actualité. <laughs> tu vois, il venait de sortir, c'est-à-dire qu'on est, qu est rentré dans une maison sans comparaison ou quoi, une maison bourgeoise en fait. T'as mm. un, un colon mm. en gaieté, famille, C'est juste on n'a pas trouvé les, une cigarette, une cendrier ou la. La valise <laughs> et le cercueil, Eh, voilà exactement. Raahou <laughs> à cette époque-là. Et pendant que moi, mes parents, ils roulent les chambres, ils chauffent, ou qui ou comment on va dormir, où, ou comment on va agencer, quoi, qui va une bête de nous d'accord? C'était le début, t'as, ben, tu vois, un nadar, euh, et, moi je me baladais dans les pièces, 15 ans. Je me baladais dans les pièces comme ça et je tombe à un moment donné dans un espèce de, de, de salon d'écoute ou la va savoir ce que c'était, et une discothèque, comme ça, des 33 tours ou des 78 tours, etc. Et je tombe sur un disque. Un disque, je le vois, ça m'interpelle. Je vois d'autres disques entre-temps. Je vois euh, « À bicyclette » de Yves Montand. Je vois une chanson que j'adore, qui est tellement poétique et jolie. Euh, je vois, je sais pas moi, Charles Trenet, Smart, quoi, X, musique, euh, Elia Fitzgerald, machin, etc. Et puis surtout, je vois un disque qui s'appelle « This Modern World », d'accord Et aussi, c'est comment ça s'appelle ?« The City of Glass ». Et c'est un disque, euh, c'est le disque d'un chef d'orchestre parce qu'il faut savoir que dans les années 50, 50, 60, les, les, ceux qui, qui, ceux qui portaient les noms, les noms, les noms qu'on mettait en avant, c'était le nom des chefs d'orchestre. À l'époque, c'était les chefs d'orchestre. Et non pas les chanteurs, ou les arrangeurs, ou ce que tu veux, c'était les chefs d'orchestre. Ceux qui étaient propriétaires d'un orchestre, qui avaient un orchestre. Donc, comme c'était, je sais pas comment dire, beau, en français. Oui, c'est les, les Voilà. les, ouais. voilà. Ouais. Et... Exact. Et, oui. Et c'est donc Stan Kenton. Vous pouvez chercher Stan Kenton. Vous avez trouvé. Grand chef d'orchestre. Et euh, il jouait une œuvre dans ce disque d'un compositeur qui s'appelle. Je l'ai appris là. Je le connaissais pas. Qui s'appelait Bob Gretinger. Et pas. Euh, on n'est pas du tout dans Beyoncé ou euh, Dr. Mr. Big, Gibbs, euh, ou je sais pas quoi. Mr. Gibbs. Gibbs. Maître ah, Gibbs. Maître, Maître Gibbs. On n'est pas du tout dans ça. Hein, oui, ouais. il faut écouter ça, euh, ce truc-là. Je l'ai mis sur la platine parce que je savais faire ça aussi quand même, tu vois. Je l'ai mis et j'ai écouté cette musique qui est monstrueuse. Et je vous conseille de la passer peut-être dans l'émission, mais cette musique m'a ouvert les oreilles, je le redis pour la deuxième fois et pour la millième fois d'ailleurs, à 360 degrés. Parce que c'est une musique qui te fait... C'est une musique le psychologique, tu as, as la schizophrénie, etc., etc. Et je me suis dit, si on arrive à écrire de la musique comme ça, c'est qu'on peut écrire tout. C'est que moi, toute la place est widely open pour moi, pour faire de la musique. J'ai, tout est permis, quoi. Et à partir de là, je me suis totalement intéressé à tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'où, par exemple, le titre de, du concert Zarbot. Magnifique. Ou de l'album Zarbot. Après, on me dit, mais pourquoi tu as appelé ton truc Zarbot? Putain, vous m'avez fait parler, bande de nazes, hein. euh, au début le concert je voulais le faire parce que ça faisait 30 ans que je faisais de la musique donc Gotana, 30 ans de musique à Edmilet et hey, voilà même si c'est à Baraka quoi tu vois ah, baraka. baraka voilà Baraka bah, ça malgré bon <laughs>

avec ma frangine et tout ça ou là je sais plus qui je crois oui on a visité la kasbah la kasba on fait des types en train de des gamins en train de jouer la zarboute elle le cas hibelt il y avait là par contre il y avait des portables je dis à ma copine je dis prends film 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 tout le monde et filme tous les gosses un par un prends des photos fais des trucs voilà ça y est j'ai trouvé le nom du le nom du concert et du truc c'est zarboute et les gamins, c'était terrible. Et après, on me dit, mais pourquoi tu as appelé ça Zarbout Je dis parce que d'abord, il y a eu cette histoire. Et puis ensuite, oui, j'ai décidé à ce moment-là que le concert allait s'appeler Zarbout mais pas seulement ça. J'ai décidé que les gamins à Adok, qui devaient être 17 ou 29, Là, ou je sais pas combien, sein. et Ndjibo. C'est euh, formidable. J'ai ouais. appelé m'en à une des assistantes que j'avais à l'époque. Coups la prend l'adresse, le, le numéro de téléphone. va voir les parents, couloir de famille tout. Tu prends le truc et le chéri ou soit les habits, etc., etc. Il faut qu'il le monte Tu leur achètes. On fait un budget pour ça, on l'achète et on les fait monter sur scène. Et ils font l'ouverture et la clôture du, du concert. et des Tu vois, tu fais monter des gamins de chez toi, tu les mets dans la lumière, d'accord? S'il y a rien de plus, il y a rien de plus fort, C'est super beau, Quand j'ai, je me rappelais, je me rappelais, je faisais le truc, euh, quand et ça. Et ça m'a parlé, et te... En fait, tu, t'intéresses pas à, 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 la musique, qui te concertère à à ce point tu vois un José Landa Lou Canécole les Arabes la bleue Abdelbocca et tout tu vois et je vois ça ça m'interpelle tu vois du coup t'écoutes et cette image est restée tu vois les arbotes 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 et quand on s'était eu puis je disais navzitkès ah ou tu veux te déclarer l'image et ça putain c'est 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 un film en fait c'est une pièce de théâtre là la, la musique elle est là pour habiller ça a du, ça a du sens ouais et pour faire, ouais. avec, euh, pour faire le rapport avec pour faire le rapport avec avec euh, qu'est-ce qu'on disait avant de parler c'était le vinyle 360 tout ça tu nous as dit que j'écoutais le vinyle 360 c'est c'est exactement ça euh, ça m'a ouvert les oreilles et les yeux et tout quoi et j'ai commencé à être et attentif et vigilant et ouais quoi tu vois m'intéresser à tout et quand on m'a demandé après euh, intellectuellement, Zama. Pourquoi tu as appelé ton concert et ton concept et, et ton disque Zarbot? Je dis parce que Zarbot, c'est moi. En fin de compte. Parce que, depuis que je suis gamin, ne Et qu'est-ce que vous voulez dire, Zarbot? Il tourne sur lui-même, oui ou non? Mm -hmm. la, la toupie. Mm -hmm. elle, elle tourne sur elle-même. Et tu as remarqué, après, après avoir tourné sur elle-même pour, pour, pour se connaître elle-même. D'accord? Après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ça. Tu as, as vu une toupie? Elle ouais. élargit. Après, elle va voyage. Elle apprend. Tu comprends ouais. Elle apprend. Et puis après, elle revient. Et puis après, Tu as bad, calmera, on bad. Elle fait le tour, quoi. Voilà, Qu'est-ce que ça veut dire Tu comprends Oui. C'est beau ou c'est pas beau C'est très beau. C'est magnifique. C'est plus mieux. C'est plus mieux. Est il est même... bon, oh, il non. est bon. Moi j'aime bien quand il Ah, d'accord, quand tu fais les connexions, il prend avec lui. Quoi non, quand tu fais tes connexions, en fait, entre entre le, le, le ne pas cloisonner parce que euh, avec Reda on a une autre frustration qui est toujours qui dit, à dire qu'il est là un Alors j'ai pensé nanani la couleur le bleu. Ouais. Mais frère, je comprends pas. Où est-ce que moi à quel moment tu me touches <laughs> Et du coup, on aime bien, on aime bien comment tu parles d'une façon très simple de 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 de, 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 de grandes choses, mais euh, ça m'a assez léger et copieux. Merci. Et hier, uh, Droghaka, tu nous as donné un peu de de de, de <rire> 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 Bien sûr, c'était très important. Alors, il y a mieux encore dans cette histoire, c'est que mon père est mort une semaine avant que je fasse. Ah oui. Eh, tu vois, ça s'invente pas la date de la mort. Tu la connais pas, t'en t'envoie pas. Hein un fax. Allah. Il était malade mm -hmm. et je devais faire un concert, le concert. Il devait avoir lieu au mois de mai. À bas mois de mai, parce tout les non, je crois qu'on pourra pas. Le ministère, les trucs, les sponsors, on, comme peut, pas, on peut pas faire. Euh, si on peut le reporter de deux mois, d'ici juillet. Dalhakdzer, mon père malade, etc., etc. etc. Et après, euh, après en fin de compte, je me retrouve comme d'habitude. Euh, Alger, Orly. T as dit, Alger, Orly, Orly Alger, Alger, Alger. Non, je vous parcours, <laughs> Doigt dans le nez. Mais je me suis retrouvé dans l'avion en train de me dire, pourvu que je le retrouve au mois de juillet. Tu vois. Et j'avais décidé de, euh, de le faire pour lui, ce concert. J'avais décidé de le faire pour lui, pas au tout départ, à ce moment-là. Parce que je me disais, en fin de compte, 30 ans de musique, mais un hardjou. kharjou, parce que a le goût de la musique et d'apprécier, tu vois, le monde, quoi, le fun, etc. Et donc je voulais, puisqu'il était malade, théâtre de verdure, je vais lui mettre un, je vais lui mettre un, un fauteuil au milieu, le théâtre. Juste pour lui. c'est Arba, le... Chef d'orchestre. tu vois, je le fais pour lui, et tout ça. Et, euh, en fin de compte, pendant, après, tout le mois de juin, et début juillet, je répète, avec mon groupe, on était, on était quand même très nombreux, entre ceux d'Alger, ceux d'ici, et tout ça, on était à peu près 35, ou quoi, musiciens, on est en train de répéter, préparer, tourner le clip, teaser, etc. On m'appelle, on voilà... C'est un colonel ou un ministre qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, si Mohamed da, Daimallah, ah, paf, dans la gueule. À une semaine du concert, hein. À une semaine du concert. Donc c'était juste pour raconter ça, à une semaine du concert, après je rentre à Alger, j'enterre mon père, pardon, on enterre mon père, d'accord Ou les trucs, les officiels, les, cartons, les drapeaux, les répétitions dans le, théâtre de verdure, j'emmène toute la famille au concert. D'accord Je n'ai pas juste été faire mes, mes concerts. D'abord, pourquoi je vais faire un concert Far euh, et tout ça, alors que... Le sens, ouais. Je le fais parce que je suis un mec de mission, moi. quand on a une mission, on va jusqu'au bout. Askri, Askri, ou un musicien, un musicien. Ma mission, c'est de faire ça. En plus que je ne fais pas... Je fais pas une musique, euh, d'acheter, ou là, mm -hmm. Je fais une musique particulière, et elle a des profondeurs, elle a des trucs, et, et je dois faire mon métier, quoi. Je dois le faire. Mon père est mort, vive mon père. Ouais, là, je joue. Tu vois? Et donc, il n'y a pas eu de fauteuil, il n'y a pas eu de machin. On l'a enterré. On Après, j'ai ramené toute la famille, et, et y a eu, j'ai de la famille d'un peu partout, le Marib, le Tunis, je sais pas quoi, on me disait, al mm -hmm. Bab, Sud, Adik, Gadjaou, d'accord? Gadjaou, euh, y Faddar, Yazio, on dit. Ça ah, oui, exactement. Ah ouais. mmh. Et, et j'ai fait j'ai fait louer des cars. Ou, ou, déjà où, ils ont eu les premières places? oh ma. ma mère, elle était au concert. Ma mère, ses soeurs. Tu vois ce que je veux dire? Eh, hey. c'est beau. Oui, ça veut dire vas-y, Nadine. C'est vive la vie. Vive la vie. Ouais. Tu comprends? Je comprends très bien. Ma mère jette. Elle est morte six mois après, mais Jet, qu'est-ce qu'ils ont pris ce jour-là Ils ont pris de la musique, ils ont pris de la lumière, ils ont pris... Ils, ben ils ont, ont pris, c'était pris... beau, c'était en ils... été, c'était... Ils ont pris surtout, euh, moi je ne suis pas parent, Reda aussi, on n'a pas encore, mais euh, je le vois justement avec ma nièce et tout, quand tu as réussi un truc tout petit, déjà t'es super fier. Alors là, quand tu vois ton fils sur scène qui crée et qui apporte des choses... Mmh. C'est ça, c'est, et là, quand tu fabriques des choses qui sont pas du chanfos, mais qui sont de l'ordre du scarabée, bah, tu te dis, c'est beau. Ouais, ouais. Euh... et c'était bien, c'était bien, parce que du coup, ça donnait à... ça a conféré à... au concert en question une dimension supplémentaire, énorme. Tu étais tu, transcendé. Tu... Bah oui, complètement. Mais bien sûr. Tu t'en rends, même... rends même pas compte, d'ailleurs, mais, parce que Gannes a la belle, hein. Ouais. C'est ça, le truc. Uh -huh. <laughs> uh <-huh>. Goldie. <laughs> Goldie. Tu, tu nous as raconté plein de trucs intéressants à un moment donné. Goldie, je pensais pas qu'on allait parler de tout ça. Tu, tu pensais qu'on allait parler de quoi? <laughs> de ta grand-mère. <laughs> ah, on parle de ma grand-mère. Ma grand-mère, euh, voilà. Non, j'allais te dire de ma grand-mère, pardon. Ah. Je me suis trompé, j'ai fauché. Ah, okay. d'accord. Non, parce que j'adore dire ma grand-mère. Ah, C'est un joker. Quand on me pose des trucs, je ne sais pas quoi dire. Mais <laughs> ma non, non, parce que, <coughs> que je pensais qu'on allait parler d'autre chose. que tu avais des appréhensions. <coughs> on a dit des appréhensions. Oui, <coughs> oui, well, On a un <coughs> Comment si en principe tu as étudié ton dossier <laughs> Tu sais quoi bah, Non, <laughs> mais on a un arfo, arfo. l'œuvre, l'œuvre, ah, si, l'œuvre... Vous n'avez jamais regardé des interviews quoi? Si, mais les interviews, il oh, y a tout, quoi, toi dans ah, les interviews. Ah, la, posture, dans le la posture, le truc. Il n'y a pas de posture. Non, mais pas. Quand tu disais tout à l'heure, quand je dis la posture, pas toi, mais le, le, la personne... Ben bah oui, ah, il oui, oui. y, y a deux, trois... C'est de tout a... vous êtes deux à faire l'interview. C'est ce oui, que je disais tout à l'heure. Mais non, non, nous, c'était juste à deux personnes qui qui sont à la fois fans mais qui sont surtout euh, qui sont surtout proches de du, de la personne euh, c'est la personne qui fait l'œuvre c'est pas l'œuvre qui fait la personne ça se saurait. bien sûr bien sûr et euh, c'est ce qui nous intéressait euh, dans Zidkess en général c'était de bah justement de ne pas raconter en conceptualisation une théorie mais du coup c'est l'histoire authentique honnête les d'après elle on a des clés de lecture pour justement avoir ce côté 360. OK. On comprend pourquoi, on analyse pourquoi et surtout on re, enfin on comprend pourquoi on a ressenti quelque chose. C'est toujours difficile de ressentir quelque chose et de ne pas pouvoir l'exprimer, pas pouvoir le sortir, c'est pas il y a pas plus grande frustration de ressentir des choses mais tu tu il y a aucun moyen de les les extérioriser. C'est pour ça que c'est pour ça que la existe parce que ça fait sortir des choses les il y a pas de mots

et du coup, donc j'ai essayé un peu de faire une projection par rapport à d'autres artistes qui, qui auraient le même parcours que toi et, euh, et que tu pourrais. Qu mais je sais pas, Allez, <coughs> que Ouais, non. Pardon. Le, le truc, c'est que non, en ce moment, j'écoute pas grand-chose, non. J'écoute, je m'enchante pas des, des choses très anciennes. Hein. <coughs> ah oui, ouais, voilà. bien sûr, on parle de on parle pas de l'actualité. Hein, non, si, je sais pas. Si vous me demandez ce que j'aime ou là ce que j'aime pas ou là où je non, euh, je compte ce euh, ou ce que tu aimes ouais. quand je te dis. Euh, J'imagine que tu consommes beaucoup de musique, Gérard. Ben de moins en moins. C'est vrai. Oui. Allez. Parce que j'en ai consommé des trop. <laughs> hein. genre, je genre de... Jamais. Ben, en réalité, euh, je me rends compte souvent que des fois, je dis que ça y fini. Maintenant, c'est les avions, c'est l'aviation, <laughs> c'est truc. Parce que si tu veux, c'est comme cette espèce de notion de. Tu as vu la poule qui pond des œufs sans ça, quand tu en as marre, au bout d'un moment, en as marre de pondre, quoi. Tu vois, j'ai pondu énormément de musique et euh, très hétéroclite en plus, très. Euh, quand tu passes du rail, euh, le twerk, le tuerg de mejnoun, le mejnoun... de... Euh, des musiques de films, de, je sais pas quoi, des trucs pour la mode, euh, de la musique pour un, un spectacle euh, créé par des Saoudiens, euh, donné dans le Kentucky, euh, et tout ça, tout ça, Putain, je me suis retrouvé dans des univers tellement, tellement trucs. Euh, C'est vrai que je suis capable presque de dire que c'est un peu offensant et c'est pas très joli de dire crâte la musique. Je dirais pas crâte la musique parce que c'est elle-même qui revient, en général, de façon très élégante, me rappeler, n'est-ce pas, que, 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 il y a, il y a les tadr bzaf, et tu t'envoies un truc dans la gueule. Tu, 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 tu écoutes euh, euh, le, le concerto numéro 2 de Rachmaninov tu te le prends dans la figure. <laughs> oui, la musique. Oui, de la musique, c'est chiant. Ouh. Ou là, une chanteuse, euh, va savoir laquelle, ou là, un nouveau guitariste, ou là, Beth Hart, j'adore cette chanteuse américaine. Felblad, j'aime bien... Felblad, je ne sais pas si... Felblad, il y a un problème pour moi. <coughs> en fait, vous êtes très bons intervieweurs parce que vous savez laisser parler les gens et quand les gens parlent tout seuls ils sont dans leur logique ils se mettent dans leur rail et euh, du coup ça les amène à un truc mon problème avec ce qui se passe en Algérie c'est que il n'y a pas beaucoup mais vraiment très sincèrement ou alors tellement peu tellement peu de gens originaux c'est simple comme bonjour est-ce qu'on a de la musique euh, contemporaine chez nous non contemporaine au sens euh, classique contemporain mmh. non des gens, des gens qui font avec de la musique comme ça quoi tu vois qu tu sais qu'il y en a chez nous des chanteurs qui ont bon ils ont du talent puisqu'on en a entendu parler mais on sent presque que la démarche qui les a amenés à ça c'était donc, tu entends, ou alors, je veux pas me moquer d'eux parce que je les connais tous. Je sais, ce qui m'emmerde, c'est la, 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 redondance. Eh, c'est trop. trop. L'individu. In, L'individualité. C'est-à-dire ce que quelqu'un oui, peut sortir oui. de lui-même, pas forcément. Hein. Oui. Je comprends et, ce que tu veux dire. Oui. Et très souvent, dans quoi on se retrouve? Qui y a chez nous? En réalité. Tel garde des chanteurs. Chanteurs, chanteuses. Après, tu vas rencontrer... Tu vas voir qui comme gens qui font de la musique euh, euh, différente en dehors de Zina ou, ou Nipki. Ou... <laughs> C'est très joli d'avoir fait Zina. <laughs> Déjà, pourquoi il n'y a pas... Autant de métal, pourquoi il y a pas de... alors qu'on est le... ahna bleuette, t'as le métal. Bien sûr. Il y a il y en a eu dans l'histoire, y en a, a eu. Oui, Le rosh haedak, les hommes ouais, eh, ouais, on, ouais. <laughs> <sutters> on dirait que mais y a On dirait que c'est comme que les gens qui étaient nus. Ernesses... <smus> <coughs> 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 non, <coughs> <coughs> tu aïe, sais Mais tu sais que c'est... mais tu sais que c'est pas seulement dans la musique, haed le sujet. À la belle. Waouh. Mais... D'ailleurs c'est Kimagak euh, Amin des fois qu'un soir on passe au baihom et on a du mal à mettre des mots. C'est un peu la raison pour laquelle on, on, on a eu cette démarche-là. C'est la raison pour laquelle on a commencé à beaucoup parler. Avant de, de, on va dire, de comprendre un peu ce qu'on qu pouvait ressentir, on a beaucoup, 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 beaucoup parlé. À un moment donné, on s'est dit, bon, viens, on s'enregistre parce qu'il y a eu cette révélation avec Haji Mohammed et Ketbiyasine parce qu'en les écoutant, ça nous a fait du bien. Donc, on s'est dit peut-être. Magnifique, que... ce moment-là. C'est incroyable. <laughs> Hors du temps. Allez, Abutakbulle, on est contents aussi que tu sois là, parce que c'est aussi, c'est comme si on avait 4 Yassine là. Parce que, bon, je ne sais pas comment tu te places, mais nous, tout, en tout cas moi, personnellement, je te place parmi ces gens. Démerdez-vous. Donc, Dabrasek, le match, il que le fasses. Ah, non, on s'est démerdés depuis longtemps. Ah, non, non, on s'est démerdés depuis longtemps. je suis humilité, je suis désolé. Non, tu es non, une légende. <rire> <rire> vive, voilà, Lali. Voilà. Vive la légende. <laughs> donc, euh, donc, comment te dire... Donc, c'est un peu partout de Dwayne Kane tu sais même je peux t'en parler dans l'humour il y a une il y a une peur de 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 la, de la prise de en fait des fois il les choses simples mais en fait c'est une prise de risque énorme tu as l'impression que travail que même chef Rabah qui est venu il l'a dit il qu on qu'on te prend pas au sérieux quand Alors euh, quand, des fois tu tu fais des choses et il faut être fort psychologiquement ben pour euh, ouais C'est ça Il faut que tu sois solide et euh Non, je c'est pour ça je crois. <laughs> c'est ça la clé. Faut pas aller en Faut aller faire la guerre avant. Faut aller tresser le maein dans la <laughs> Ah non, non mais il faut, faut être fort oui bien sûr. Mm. La, la vie la vie c'est la vie la vie est, est difficile hein, la vie n'est pas facile. Quoi. Ouais. Et 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 elle est facile que pour quelques... Quelques individus, mais autrement, la vie est dure. Mmh. Pour tout le monde. C'est dur de faire quelque chose. C'est dur euh, quand on est jeune. Euh, moi, j'adore les gosses, par exemple. J'adore vraiment les enfants. J'adore les gosses. Et je les regarde parce que je vois la promesse chez eux. Et je connais aussi ce qu'ils ne connaissent pas encore. Tu vois? Et je me dis, putain, si, inshallah, oh, la baisse, quoi, tu vois, j'espère qu'ils vont... Parce que je me rappelle de mon trajet, moi, de ce que je voulais peut-être faire, et, et par où il fallait passer pour le faire, et, et tous les obstacles que j'ai rencontrés, euh, moins que d'autres, ou plus que d'autres, mais que j'en ai rencontrés quand même. Et, euh, et euh, je me rappelle que le plongeon dans la musique, par exemple, il a été... Il a été très 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 particulier. Parce que comme je le dis souvent, dans un univers, tu par exemple ta rail, ou la ta jazz, ou la ta blues, ou la ta rock, ou la ta shabby, ou la ta andalous ou tout ça. Mais je, je ne suis né nulle part en réalité. D'accord Tu vois Je reste au milieu de tout ça. Et j'ai appris petit à petit. Les musiques de chez nous, petit à petit, les musiques d'ailleurs, petit à petit, je me suis constitué, et c'est pour ça que ma musique est totalement hétéroclite ou différente. Euh, quand tu écoutes un morceau comme Mejnoun, par exemple, il a strictement aucune forme. Mmh. D'accord? C'est un A, B, C, D, ouais, tu vois, ce que tu as au début, tu l'as plus à, après, et ce que tu as au milieu, tu l'as plus à la fin. D'autres morceaux aussi, c'est comme ça. Euh, mais, c'est ça qui m'a permis de, de fabriquer un répertoire entre guillemets euh, original, différent. Et c'est ce que je c est, c est, voilà, c'est ce que je ne vois pas maintenant. J'aurais aimé, j'aurais aimé avoir de la concurrence, de la vraie concurrence, avec des gens inventifs et des gens audacieux, des gens ou des gens qui ne cherchent pas, qui ne cherchent pas euh, le succès, qui ne cherchent pas. Euh, c'est horrible, tout ça, euh, être le, et puis chez nous, il y a ce grand sens aussi de la, chez nous, on dirait que la, la musique ou la pratique de l'art est une compétition. Je connais la pr... plus vite que celui-là, Charles, qui est le guitariste le plus rapide, le plus truc. C'est pas ça, c'est pas ça le, c'est le silence. La vérité. C'est tout ce qu'il y a entre, un son que tu fais et celui qui va suivre c'est ça le truc comment tu vas savoir respecter ce moment pour que euh, ta euh, ta création soit aérée, euh, belle, légère, euh, pas encombrée et donc pas encombrante, euh, facile à déguster, à et puis faire passer au travers de cette musique autre chose que C'est très très très, ce ce très 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 intéressant ce que. Parce que, <rire> que, <rire> que ça me rappelle chez Youssef mon, mon prof de musique. Pardon. Pas de c'est mon prof de musique, il me disait toujours, et il nous. Et j'ai jamais compris. Plus tard, C'est clair, tu peux pas comprendre. Écoute, Darth <laughs> Scuto. Bah, Darth, qui, je me rappelle, euh, j'avais vu un truc sur l'intérieur euh, de, de Sting, il disait, euh, parce que, quelle est la plus belle musique que vous avez écoutée Et il leur a dit, mais bah, c'est le silence. Oui, enfin, bon, c'est excessif, ça. Oui. Peu le truc, mais, ouais. et il leur a dit, après, il complète. C'est du, du style, oui. C'est du, du sting. Après, il dit que, en fait. Non, non, je dis, c'est du style, quoi. Oui. Mais après, il se met tout ça là quoi. Et du coup, quoi, il leur dit le, le pourquoi le silence? Parce qu'en fait, le silence, il, il est ponctué par la musique que j'essaye de faire. C'est-à-dire que la musique la plus pure qui existe, c'est le silence. Et moi, j'essaye de la déformer. Et Ah, d'accord. Je... Mais c'est qui, ça, tu dis? C'est Sting. Ah, d'accord, ok. Sting okay. qui a dit ça. Et je me suis dit, ah oui, mais, Cher il avait raison. Tu l'as <laughs> déjà rencontré? Non. Non. Croisé, vite fait, à Naples, <laughs> avec Manu Kaché. C'est vrai. <laughs> ouais, c'est vrai que Manu, c'est son batteur. Non, non, mais c'est ça. Le, le, le pire chez, chez nous, je crois que... C voilà, un ou chaque teba ou la ou chaque ou je sais pas quoi. Je crois que Rani ne te baffle, j'allais dire une <laughs> méchanceté, ne <laughs> te baffle quoi. Te silence. Silence, non, le, 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 le manque de, de, manque, manque, de d'audace et de, manque de courage et dire, une j'ai, ah, ouf, n'est-ce-hui, tu vois, euh, même quand je fais un gros spectacle qui m'a la source ou quoi, une mm -hmm. j'ai des chameaux, 25 chameaux, une janette, des, des troupes, une garde-mâme, une garde-founous, et je passe une semaine entière, euh, flédunes ou les trucs ou les musiciennes, les chanteuses ou on chauffe les danseurs ou la, ou la Tamarra, c'est une région qui s'appelle, il y a un style qui s'appelle Tazanrata et ils ont un truc incroyable. Et je me rappelle que j'étais une fois là-bas et me questionne Parce qu'ils partent loin pour faire ça. Mais dire ohh, je la ville de Tamarra, c'est une belle fête, tu vois Il y a pas de son, il y a pas de truc, c'est tout acoustique. C'est les femmes qui truquent et les hommes, ils se trouvent qu'à debout. Je te jure que c'est animal et moi. Par exemple, bien entendu, je m'approchais comme ça avec le micro. L'ingénieur du sang, alors, on se mettait juste derrière les types qui se mettent en rond comme ça et qui sortent des trucs gutturaux comme ça, t'as la gorge, comme, comme des animaux. C'est un truc qu'on dirait qu'il y a une bête qui va, qui va, se qui est en train de se former ou quoi, tu vois Et c'est euh, de quoi je parlais de, 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 de du manque de courage et que toi quand tu es parti euh, pour faire la source j'ai de 25 25 chameaux eh, voilà, et que tu n'as j'ai voilà c'est ça et 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 je me suis dit putain je vais faire un truc avec ça parce que ça swing c'est il y a un truc et puis c'est fort ça dit des choses mm. et les choses qui sont dites tu ne les comprends pas ça elle rentre d'une autre façon par euh, par ton cul pardonne de merde ça rentre ça te rentre par la peau tu comprends ça ouais, ou quoi et en fin de compte sans les connaître sans savoir comment vraiment ils vivent parce que là je vais je vais pas te raconter que qu'ils rentrent de matourg pardon vous faites ce que vous voulez t'as le cul et tout ça on s'en fou, hein. ah, fout mais eh, si tu veux si tu veux euh, je vais pas te raconter que quand je vais travailler ma hamza je partage des trucs hein, je suis tout à fait le contraire de ça hein. j'aime bien avoir ma bière mes trucs T'es petits, mes petits pas en safari. Mmh. Voilà. <laughs> ni, ni safari, ni <laughs> soki, ils vont tourner des films, et pour rentrer dans le rôle, il, rentre, il va dans une maison de fous, ou d'alme, qui va. Ah. Non, mais j'ai pas besoin de ça, <laughs> Anna. Parce <laughs> que, si tu veux, c'est que ça rentre par la peau, tu vois, ça rentre par tous les trucs, et ça, et ça rentre dans ta comprenote, surtout, dans ton, dans ton, ça, 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 ça te, ça te fabrique une, ça, 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 vient se rajouter comme une, comme une, comment tu appelles ça, une, comment ça s'appelle? Attends, je vais te dire ça, une, ce que tu as appelé tout à l'heure, comme une greffe. Marla. Une là. greffe. Une bouture. Cette... Une bouture. Une bouture? Tu avais dit, voilà. Wow. et ouais. Eh ben, c'est comme une greffe. C'est comme une greffe. Tu, le truc, tu as toi, t'as à ta, t'as à la région de Tamaras, Tamaras, ça vient se greffer. Dans un coin de ton cerveau. le cerveau, on a, qu'elle la zone t'as la mémoire, la zone t'as n'importe quoi, la zone t'as le stère, la zone t'as des, la zone t'as, je ne sais pas quoi. Le hub, t'as le hoof, t'as le cortex, t'as le pharma, t'as je ne sais pas quoi. Et ben ça vient et ça te constitue aussi. Encore une fois, ça va te, tu vois, sans savoir comment ils vivent ni quoi que ce soit, en te faisant, en te pénétrant, n'est-ce pas, avec leur art Unique au monde, et puissant, sans sono, sans zmar, sans rien. Ils tapent sur la terre, fort, avec leurs pieds, d'accord? Ou fort, mm. et ils sont en état de transe, d'accord? t'as tu es en même temps embarqué, et en même temps, tu restes, tu restes juste, tu comme, juste, juste ouais. un peu de froideur pour gérer, gérer la compréhension du truc, tu vois. Il faut que tu l'analyses, sans être scientifique il faut que tu le il faut que tu la il faut que tu il faut que tu il faut que tu ouais. pour en faire quelque chose si tu veux tu comprends oui pour, oui. pour en faire quelque chose parce qu que autrement qu'est-ce tu fous là est-ce que tu es venu pour pour enregistrer du folklore non moi je vais pour porter prendre mmh. sublimer mmh. on arrête de jacter un peu c'est bon là non qui m'était bris enfin je Choufoulla عندكم سؤال ولا تفضلوا اسمع هنا تبعنا خلاص هادي زوردو ماتا j'ai vu Samira 2h34 inchallah Samira, Samira pourtant on a enregistré plus que ça je crois Ouais non j'ai enregistré plus que ça Il est 18h05 عندك عندك سواعه عندك non il est alors militaire ponctuel contre le 18h30 donc ouais 18h30 ah. Et quand tu sais ce qu'on peut se raconter en 30 minutes, ça va. Barque les 30, c'est bon. 25 minutes. Parce que tu sais jusqu'où je vais après. Exactement. va d'ailleurs. on bilan, Ah ouais. Allez-y, les mecs, si vous avez des trucs, euh, je sais pas quoi vous dire, moi. Tu sais quoi, par exemple, on pourrait dire la chose suivante. C'est que, de quoi a-t-on parlé? Enfin, de quand on a parlé beaucoup de choses périphériques de vie et ou de d'options de de, de, de de décisions de vie déterminantes ou pas ou, ou qui ont mené à ceci ou à cela de genèse de de projets ou quoi. De, on a parlé un petit peu de de d'intimité de, euh, en parlant de mon père, en parlant de un petit peu mes enfants peut-être, je sais pas, pas trop, mais euh, on a, on a mais de quoi on n'aurait pas parlé par exemple? de musique, d'aviation, de pourquoi l'aviation, pourquoi cette musique, c'est quoi tes projets? Le premier qui me dit c'est quoi tes projets? Là <rire> <rire> que, tu sais que des fois je fais, j bah d'un concert ou quoi? Il dit ce <laughs> que je Les gens ils pensent, eh, parce qu'aujourd'hui ils veulent de tout de ouais, tout de suite. T'es <laughs> ou demain qu'un autre truc? Quel projet? Qu -ce... Bah, de, pour toi, de quoi on n'a pas parlé? Ah non, se, se travailler un petit peu, merde. On dirait une bande de nazes qui a rien foutu de sa vie. Ah, récupérer la gagne, vous êtes des <laughs> bons intervieweurs. Malish. Autant qu'on est une bande de nazes qui n'a rien foutu. Parce que parce que tu as vu ce que j'ai envoyé quand même. <laughs> yeah, quand non, je t y t y je, je, je pense hein. que oui, c'est c'est toujours un processus un peu euh, parce qu'on on a la, la bonne place, on écoute. Donc euh, mais c'est toi qui es éprouvé que t'as dard t'as t'as s'en donc je comprends que, que ça soit fatigant. Je suis absolument pas éprouvé. Je peux, vraiment, <laughs> je peux te Parler pendant des semaines entières. <rire> <maintenant>. <rire> et, et je peux te faire écouter vous faire écouter de la musique non stop <laughs> pendant six mois chaque morceau après morceau. <laughs> j'ai de la matière. Ah, ah ben bah, j'imagine. Tu sais il y a, y a um, un jour je sais pas où ce que j'ai vu tu as dit ça ça m'a énormément touché. Euh, je crois que ça au galou quel est le conseil que tu veux donner. Euh, au, euh au, je, je sais pas je crois ou jeune musicien ou là ouais, t'inquiète pas, pas c'est dans ma tête oui ouais. vas-y et tu as dit un truc euh, d'ailleurs je sais plus c'était quoi d'ailleurs je crois que la la, la personne qui t'a posé la question elle avait un peu du mal à comprendre où tu voulais en venir et t'as dit un truc de genre euh, faut lire faut déguster faut découvrir il faut t'as parlé de tout sauf de la musique bien entendu, il faut être con pour dire euh, un musicien va travailler ton <laughs> ce instrument. C'est ce que t'as dit. Ben oui, ça tombe sous le sens, non C'est ridicule. Moi, j'ai pas envie d'enculer des mouches. On n'est pas là pour euh, perdre du temps, quoi. Un musicien, il doit va taqaf. Je apprend, Apprends, apprends à apprécier de la, de la peinture. Va voir qui c'est Klimt. Va voir qui c'est Modigliani. Va voir qui c'est. Euh... Irvinialom, Akrachoir, tu sais pas lire? Ah Non, plutôt, tu as pas l'habitude de lire. Moi, je suis victime de ne pas assez lire et de beaucoup lire et de ne pas assez lire. C'est des périodes, on est d'accord. Ouais. Et je te jure que des fois, euh, moi, j'achète beaucoup de livres et je les mets sur ma table de nuit. <laughs> je te jure que je les regarde. C'est quoi le dernier, l'Akreta? Ça... Attends, je te finis ah, ça. Pardonne-moi. Euh, je les mets sur la. Je te jure que quand je les vois, bre... je les mets exprès chez Borsoni. <laughs> <laughs> avant de dormir, sur... ouais, bien sûr. Bien <laughs> sûr. Je te promets. Je te promets que c'est vrai. Ben oui, c'est. Oui, et et euh, un jour, je dirais, c'est bon. Bouge un peu ton cul là. Vas-y. Ouvre, regarde. Bien. Bah, tu t'as déjà prends. Tu l'as pas acheté pour rien. Tu l'as acheté parce que ça semblait t'intéresser. Et ensuite, tu as lu au moins la quatrième de couverture. Tu l'as oublié. Et je te jure, ce qui, à un moment donné, ne te pousse pas à vraiment lire la première, la seconde, la troisième, comme dans la vie, faire un pas, puis un autre derrière, ce qui, si ça ne, ça ne marche pas le premier jour, c'est pas c'est pas pour ça que ça va pas marcher un jour c'est pour ça qu'il faut acheter des bouquins et il faut les poser sur sa table de nuit bon il faut pas que la, il faut pas que ça atteigne euh, le tour, euh, <laughs> Khalifa, tu vois. <laughs> mais euh, je finis par les lire oui je, je lis la quatrième de cours. il y a un livre de qui aussi ah ouais un livre magnifique je sais plus comment s'appelle le mec c'est dommage mais c'est bien ça Il a appelé de la musique. Ekteb de la musique. Choufschkun ketbou ». Ou non. Musique. Livre 2. Et tu vas voir ce que ça va te dire. Je trouvais que c'était d'une abstraction et d'une inutilité quand je l'ai acheté. Alors que ça me plaisait parce que c'est pas Orsena, donc c'est autre chose. Non, c'est un, un bon gars en plus. Et un jour, parce que j'ai aussi une, une, j'ai aussi une espèce de étagère dans mes toilettes, Hachako. Parce que tu es dans les toilettes, tu es bloqué, hein, tu ne peux pas échapper, c'est devant toi. Et je prends et je lis, je, et je lis et je vois. Et, et après, il faisait des trucs sur la musique, il a écrit des trucs sur la musique monstrueux, c'est tellement beau. Il te parle de la musique, mais avec complètement autre chose, quoi, tu vois. En, en te parlant de la musique qui vient du vent, celle qui vient de je ne sais quoi, de je ne sais quoi, de je ne sais quoi, et c'est merveilleux. Et il faut en effet lire, c'est qui il y a trop de, trop de bah, Je vais références. te le trouver. Il trop de références. Euh, ouais. Ouais. Euh, quand... quand je ne lis pas depuis un moment, à un moment donné, je me trouve con, parce que dans un livre, il y a tout. Dans un livre, tu voyages en cinq minutes, en, en, en trois en trois, en trois pages, tu passes de Bangkok à, à Berlin, de Berlin à machin, mm -hmm. d'une histoire euh, que tu aurais même pas pu imaginer une demi seconde. Euh, tu découvres des choses, tu apprends à vivre, tu, tu arrives à vaincre des peurs, peut-être, tu, tu gagnes en audace, en tu deviens plus intelligent et tu deviens un être intéressant puisque tu as appris des choses. Et donc, c'est pour en revenir. J'adore re re retrouver le fil. Non pas que en vieillissant je perde ouais. euh, la mémoire, mais c'est parce que souvent je peux perdre le fil. Et un des exercices les plus jouissifs pour moi, c'est de retrouver le fil. C'est parce qu'on parlait des conseils que je donnais au truc, aux musiciens et tout ça. Être juste un musicien. Il y en a qui m'ont répondu des choses sensées quand même. Hein, qui m'ont dit. Il y en a qui ont été violents et cons. C'est pas grave. Tant pis pour leur gueule. Et il y en a qui avaient raison, ou c'est vrai, ils te disent, par exemple, euh, euh, je sais pas, moi, euh, l'Ankan ne s'est pas senti obligé de lire, Haruki euh, Murakami pour faire ce qu'il a fait, ou c'est vrai, oui, c'est pas, ben, mais, même pas, connais Picasso, ou la, ben, on sait pas, ou la X, mm -hmm. ou la, le ou la X, mais, je Bien sûr, bien, bien entendu qu'il y a des musiciens qui ont et puis euh, euh... il y a tellement d'excellents musiciens qui viennent de partout et qui ne sont pas forcément cultivés. Ils connaissent que leur instrument, oui, bien sûr. Mais est-ce que mon conseil est utile ou là il est inutile? C'est ça qu'il faut essayer de retenir. Moi, quand je donne ce conseil, tu vas jamais, tu vas jamais euh, te retrouver dans la merde parce que je t'aurais donné ce conseil, tu vois, au contraire, tu vas trouver que du bonheur. Tu vas trouver que du bonheur. Et si tu veux pas écouter ce que je dis, t'es pas obligé d'écouter ce que je dis. Non, non c'est le, c'est le, c'est le, ton propos à toi, c'est ton conseil à toi qui vient de ta propre expérience et de, de ton propre corpus. C'est-à-dire tu as parcouru un chemin qui là où tu en es maintenant et tu donnes ce conseil après les gens le conseil on le prend on le prend pas. je veux dire c'est chacun mais venir le critiquer je suis d'accord avec toi ça veut rien dire mais ça c'est c'est aussi euh, un mindset maréda euh, qu'on essaye de mettre c'est-à-dire qu'on se concentre que sur l'apport de matière le celui qui enlève de la matière on, on s'en fout s'il il apporte exactement, rien exactement. il apporte moi j'hésite moi j'hésite voilà moi je ramassé fléchaise <laughs> voilà c'est la métaphore à te trouver et euh, donc voilà, je j'ai j'avais ce idée en tête. Bon est euh... c quel est le, le le dernier auteur qui qui t'a vraiment touché, bouleversé, le bel qui a mis des mots sur des choses où tu te sentais incapable Non, arrête, je n'irai pas jusqu'à euh, entrer dans la danse de qui voudrait que des livres m'aient marqué à un point win non il n'y a pas de truc comme ça c'est vrai je suis très dur à à, à, à toucher à pénétrer oui c'est ce que tu mais... nous as dit juste avant le début de l'enregistrement <coughs> je dis quoi <coughs> tu es dur à pénétrer tu te protèges. Ce qui est pas mal d'ailleurs. Soit dit on <laughs> passe. Ah de c'est ce que je voulais dire euh, Non non c'est oui, ça. Non je j'ai 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 une distance euh, automatique euh, avec tout. D'accord. Anna s'il y a une bombe maintenant qui explose, maintenant je des escaliers 4 à 4 ou quoi. Et je descends. D'accord. Et quand j'arrive, je suis utile. Et j'ai pas de panique, je ne perds jamais mon sang-froid. Je me suis perdu en, pendant mon instruction d'aviation, je me suis perdu de nuit dans le ciel. Je suis resté suspendu pendant une heure et demie dans le noir. Je ne suis pas mort. D'accord? Je ne perds pas mon sang-froid. Et donc, c'est juste pour dire qu'il y a pas de choses qui me, j'ai des coups de cœur. Si tu me parles de livres, euh, je suis fan total de de cet auteur donc j'ai cité tout à l'heure Haruki Murakami qui a écrit 1 Q 84, qui a écrit Chronique de l'oiseau à ressort, qui a écrit Kafka sur le rivage. C'était juste pour parler de la peur ou pas de la lecture ou la, le euh, comment tu peux te remettre à la lecture ou pas parce que la lecture c'est un truc très important. Hein. Je te jure que si tu si tu si tu fais attention un petit peu à tout ce qui peut se dire euh, venant de gens intelligents en tout cas et qui sont de c'est bien de, de les écouter souvent il y a la lecture qui revient il y a tout dans un livre quoi c'est vachement bien ça c'est bien c'est bien euh, et tu vois le temps que tu passes puisque c'est eux-mêmes qui te le disent le temps que tu as passé sur ton écran oui. euh, et le temps que tu as passé à lire euh tu vois, quand tu regardes la proportion, et qu'est-ce qu'on lit, en plus? Tellement de conneries, tellement de... Pourtant, On, est... On passe d'un truc intéressant à un autre truc intéressant, et au milieu, il y a cent, cent, cent mille conneries, quoi. Tu vois, des trucs, euh, ma grand, la sœur de ma grand-mère a eu un bouton sur la fesse gauche. C'est <laughs> vrai. On est

T'as toute la Silicon Valley qui a réfléchi à ça et toi, tu veux vaincre Tu peux pas, c'est un autre sujet. Mais euh, justement, pour revenir à la culture, parce que la, la, la littérature est un élément de la culture, Reda ou Anna, on a fait la conférence, bref, on, on s'en fout. Il a dit juste un terme, il a dit que quand un objet d'investissement rentre dans la culture, il est au sommet de la chaîne alimentaire. En gros, Apple iPhone, c'est devenu un élément culturel. C'était un objet, c'est devenu un élément culturel. Mmh. Et il est devenu voilà, inaccessible. C'est comme l'art, etc. Et à chaque fois, moi, je repose la question parce que le film, le musécaf, l'économique, la batata, le le tout ça. Et à chaque fois, je dois me reconvaincre que la culture et l'art, c'est important. Mais à chaque fois, je perds le... le je sais pas pourquoi, mais je, je, je vacille, tu vois. Le, je suis... La motivation. La, la motivation, mais aussi l'importance en fait. C'est surtout en termes d'importance, en termes de pourquoi. Taqafa ou le fun, c'est important. Et je voulais, moi, c'est une dernière question que je, je vais te poser, c'est, c'est selon toi, comment, avec des, comment expliquer avec les mains, pourquoi l'art et le taqafa c'est important en fait. C'est vrai, ça sert à rien de dire que c'est important si on n'est pas capable de dire pourquoi c'est important. Parce que quelqu'un qui n'intéresse pas, s'intéresse pas à l'art et à la musique, enfin, ou à la tachafa en général, il y en a qui s'en foutent. Il me pose cette question, moi. Et, je, et je à chaque fois, j'ai du, j'ai du mal. 360, Klimt, euh, il capte pas. Il faut que, moi je de la, je, je suis aussi formateur et pédagogue à côté, donc j'essaie de, de, de vulgariser, et verbaliser certaines choses et je ne sais pas à quoi répondre à cette question. Alors, j'ai jamais réfléchi à ça mais je peux te dire par exemple que euh, la culture c'est le sensible. C'est le sensible. Le sensible n'étant pas la pomme de terre ou le parpaing ou c'est le sensible. Et l'individu qui te donne euh, ce sensible là, c'est-à-dire l'artiste euh, souvent donc euh ya tu vois, ya le tu te donne il faut savoir qu'un artiste ça se saigne pour te donner à toi à consommer. Du coup, ça devient par de soi, de soi, ça devient sacré. On n'est plus dans la banalité. On est dans le supérieur, on est dans le sacré et, 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 le, et le subtil, on est dans le dans le cœur et dans l'intelligence, on est dans le sublime. Donc, euh, étant dans ça, on ne peut pas ne pas intéresser des gens. On ne peut pas. Euh, personne ne peut vivre sans cette vérité-là. Qui est euh, l'intérieur de quelqu'un, les boyaux de quelqu'un, les, les le savoir de quelqu'un, euh, la folie et la poésie de quelqu'un, euh, l'inventivité et l'audace de quelqu'un. On continue. Euh, on ne peut pas se passer de de l'originalité, de la de la de, du cadeau que quelqu'un vient de nous envoyer à la figure parce qu'on a eu euh, soit en faisant le pas soit par hasard le bonheur de recevoir un message une indication sensible et belle c'est l'accès aussi au beau D'accord, qui échappe complètement aux guerres, qui échappe euh, à la banalité, à l'argent, au commerce, etc. C'est totalement supérieur. En ça, si tu ramasses tout ce que je viens de dire et que je ne saurais pas résumer, euh, ou alors il faudrait que j'y travaille euh, sans trop travailler, mais euh, si tu, tu ramasses tout ça, ça te donne pourquoi l'art et la culture sont des choses prépondérantes, primordiales. Euh, sans lesquels on ne pourrait pas vivre. On pourrait jamais vivre juste euh, en mangeant euh, des hamburgers et. Soit il pense sur des vidéos. Sur... Comment En swipant sur des vidéos. Voilà. On pourrait jamais. Non. <laughs> On ne peut que... Et puis parce que c'est de l'élévation aussi, et on a de l'accès à une certaine spiritualité, même si je n'aime pas utiliser ce mot galvaudé, etc. Mais alors, du coup, on a accès à, à une supériorité. Et ça fait de toi quelqu'un de grand. Ça grandit la culture, tu comprends la, 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 la culture te grandit. La, la culture, euh, en, en, te, en te tirant par l'invisible le euh, le magique le sacré euh, t'attire dans ce qui est la vraie vie il y a tellement d'inconnu dans la vie il y a tellement d'inconnu quand dim brabbi » ou quand yem n'jrbbi par exemple mais la culture c'est Comment j'ai ordonnancé ma vie Comment je chante la vie Qu'est-ce que je fais quand je vois une fleur, un arbre, un ciel D'où vient ce ciel, cet arbre, cette fleur Tu te rends compte dans quoi on navigue mmh. On navigue dans, dans de l'extrême sensible, donc dans des strates supérieures, quand les strates inférieures sont le parpaing, et les bâtiments, ou, mmh. R plus 7, euh, plus, tu vois ce que je veux dire? Je, je comprends. Et le commerce, et qui je vais encore arnaquer cette fois-ci? je ne on est dans la, dans la, la, la laideur. C'est hideux. C'est l'art. C'est ce que je viens de te dire. Euh, en tout, euh, je découvre moi-même ce que je viens de dire. On ne sait rien. Je... Parce que, parce que c'est, c'est vrai que on sait jamais quoi répondre à celui qui dit c'est malheur que les gars les chiens massent pas je peux te chercher que le rabais il habille le et donc qui nous a ouais t'es fou à qui nous a on parle de l'importance de le il dit les chiens massent pas je même pas chercher ah oui, oui. c'est comme si c'était un luxe rabais il habille le fin on a souvent cette discussion avec Amine où on a l'impression que le fin c'est devenu comme tu as dit un luxe ou là, un confort ou là, un loisir ou là, je, je sais pas, c'est bizarre. On dirait il a pas sa, sa, sa place, il est pas nécessaire. Bah, c'est une, une erreur fondamentale ou c'est une erreur totale. <coughs> Regarde les Russes. L'âme russe par exemple existe et euh, à travers ce qui tu veux, Dostoïevski, euh, machin. Euh, tous les compositeurs russes, Shostakovich, Shostakovich, <laughs> Rimsky-Rimsky-Korsakov, euh, mon grand compositeur à moi, comment il s'appelle, Rachmaninov, Rachmaninov, d'accord, je peux te chanter tout Rachmaninov, moi. Tu vois, c'est une âme. Et ceux qui ont fait ces trucs-là n'étaient pas riches. l'eau. moi, je te fais une réponse par la bande. l'eau ou les le blues et tout ça, que nous faisons, Mais quand je suis en Ou quand nous y quand même. Ben oui, oui, je t'aime. Il n'y a pas plus fort que la vie. Clit ou non, clit. Tu vas toujours manger de toute façon. Et puis quand tu euh, ne pourras plus manger, ça veut dire que tu es mort. Ben, je t'aime

c'est, c'est, c'est totalement dissocié, c'est, c'est comme deux, deux dossiers différents. Il y a le dossier t'as là et à côté, il y a le dossier talfen pour l'appeler comme ça, le ou la, la, ou la, c'est deux choses, deux dossiers différents. Euh, l'un, il n'y en a pas un qui empêche l'autre d'exister. الماكله ماكله ما عنديش ما تاكل روح تسرق اسرق تفاح اسرق وش حبيت داكوغ باش تاكل بيان سور باش تعيش ماشي يسرق الناس نو اسرق روح الكارفور إيه بصح الفن هو اللي طلع لك النيفو تاع واسمو ومن تربح بالك تو فاغاني كيلكو شوز il faut il faut il faut dans la Il faut dans la vie toujours euh, euh, bosser pour euh, euh, pour grandir. Pour grandir, il faut grandir, putain. On peut pas vivre comme ça, tu comprends Il faut tous les jours grandir. Faire des pas, uzid uzid une marche, atla. Et il y a tous les jours quelque chose à faire. Et disons qu'il te dit je m'emmerde en ce moment. Ouh, dis-moi, dis-moi, comment tu t'emmerdes, comment tu t'emmerdes. Moi, je ne m'emmerde jamais. Je suis en ce moment en train de constituer un nouveau coffret, par exemple. J'avais sorti ce coffret en 2009 qui s'appelait 30 ans de musique. Mmh. Et là, je suis en train de chercher des sponsors pour sortir, en tout cas je travaille déjà dessus, un coffret qui s'appelle 45 ans de musique. d'accord ça fait un jubda ça, mais tu vois, trois quatre décennies et demie de trucs, tu vois. Euh, je bosse dessus donc j'ai du boulot quoi. Par exemple j'ai fait des musiques il y a dans les années 80 que je n'ai jamais qui se sont jamais transformées en en, en disque ou quoi. Elles étaient posées. Je vais les après, je en fait. vais les réenregistrer. Magnifique. Je vais les enregistrer pourquoi parce que non pas que j'ai la sensation qu'il faut que je laisse un leg énorme et que ma trace va être tellement énorme, indélébile, que mon nom va être tellement gros qu'on va m'élever une statue plus haute que la Tour Eiffel. C'est pas ça mon truc. J'en ai rien à foutre, en fait. Mais, par contre, j'ai un respect énorme pour tout ce que je fais. Tu comprends? C'est comme à la maison, j'ai une technique aussi, et puis, les gens qui viennent chez moi, ou les, les personnes qui ont vécu avec moi, les femmes, surtout, par exemple, euh, des fois, ils t'aichou le mec, là, hakdak. Garde, le mec, On est tous cons, hein, mais, mmh. je dis une chose, moi, il y a un seul truc, hakdak, hakdak, ma Parce que, ah, nan, les khdmna, Tu vois, tu achètes une boîte de flageolet, ou je sais pas quoi, tu n'as mmh. rien à foutre de la jeter après. مش انت اللي درتها بصح اللي خدمت عليها ولا شريت دي غونيون شريت درتها بالكمون و والثوم التاب الكروية اتترا والقصبر دور وتاك باترو لي سيشي اتترا دير بزاف زيت باش تجيك لا بدينا وشويه هريسه taille tu le gardes, tu fais une chimie pour l'apéro de demain, quoi, tu vois. Mais ma taille parce que de tout. Et donc moi, pareil, pardon, je vais dans des zones à la con, mais c'est pas vrai, j'adore la cuisine. Non, <laughs> c'est vrai. <laughs> un... Et donc ma musique, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai pondu, j'ai du respect pour. Et donc je veux, je voudrais laisser quoi. Je voudrais, ça me, ça me plaît bien de laisser, de. Parce que quand tu laisses. Non pas par forfanterie, non pas par euh, vanité, non pas par euh, ce que tu veux, mais euh, mine de rien, tu vois le disque que j'ai croisé, ben c'est un mec qui l'a fait bordel de merde, c'est un mec qui l'a fait et ouana voilà, je l'ai trouvé eh ben le jour où quelqu'un trouvera ma musique parce qu'il euh, la trouvera euh, derrière un meuble ou la sous une commode motè n'importe où bah il va découvrir quelque chose et ce sera bien et j'aimerais bien que ce que j'ai fait je l'ai pas fait parce que moi je n'ai pas vécu pour rien. Tu comprends? Mmh. Ma vie est importante pour moi. J'ai vécu plein de choses, et ma vie est très importante pour moi. Et j'ai fait quoi dans ma vie? Euh, j'ai fait principalement de la musique, et donc ça, ça doit rester. Pas parce qu'on va dire, voilà, c'est le patrimoine, ou c'était un artiste, bla, 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 c'est, redma, Intège, Tu l'as fabriqué, tu, tu vois, tu, tu fabriques, avec la terre glaise, tu fabriques un truc. Euh tu le, mets, mets -le sur une étagère, et te la à un jour, et te tâche, bout ça va. Et puis surtout, c'est, si tu peux, avec trois balles, trois, rien du tout, inspirer quelqu'un, donner envie à quelqu'un, d'accord? Fait, donner du bonheur à quelqu'un, quand il va écouter, allez, je vais faire le con, quand il va écouter le morceau Orient. Ah, j'allais dire ça, putain. Voilà. Quand il va écouter ça, et qu'il va se dire, putain, mais qu'est-ce, comment il est fait, ce morceau? Mandoula, la sas, la dernière d'air et pourquoi il est aussi original, et pourquoi il est truc. Pourquoi il a pas fait zina? Sans méchanceté, pardon. Pourquoi il a pas fait oh, euh, Elle euh. aussi, elle nous a inspiré. Enfin, moi, je, et je voilà, ok. C'est-à-dire, chaque, ouais. chaque chose a, a, a à voilà, sa, voilà. sa place. Hein, non, non, genre, je, je, en plus, je comprends ce que tu dis, tu le dis, tu mmh. le dis pas pour, tu voilà, le dis bon, pas exact. parce que t'as as du respect. Macla, ou le Bon, voilà cinq <laughs> <laughs> de loin en fin de compte c'est ça oui. mais donc euh, oui oui non mais les laisser pour euh, tu imagines ce que ça veut dire rencontrer une belle chose c'est je crois qu'on n'en prend pas assez conscience parce que parce que le, le parce que le monde va vite d'accord mmh. le monde va vite et les préoccupations sont devenues euh, bassement matérielles, pour dire une banalité et donc, euh, du coup, ce que les uns ou les autres font ou laissent ou créent ou quoi, dans, qui tiennent du rêve, qui tiennent de, euh, du beau et du bon, etc., ça passe à l'as, quoi. Tu vois, donc, en effet. Mais autrement, c'est plus qu'urgent, quoi, de de s'atteler à faire des choses belles et, et utiles, être utile et inspirant. C'est très important. Mais moi, quand je fais ma musique, je me dis pas allez, sois utile, sois <laughs> inspirant je la fait merci elle doit <laughs> Fuck merci de dire ça <laughs> ah putain le nombre de, 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 de fois où on t'a à des personnes oui parce qu'en fait tu comprends ma, ma musique elle a un but elle a pas de but laisse-moi tranquille <laughs> je vais faire passer des messages il y a des je vais faire passer des messages ouais ouais ça c'est non ça n'a pas de sens c'est les gens qui se prennent trop au sérieux voilà ouais <laughs> Je me prends pas au sérieux une seconde, Moi, vraiment. J'ai un mec très sérieux, hein, par contre. Ah, bah ça, on l'a vu, hein. Et un grand déconneur <laughs> Mais t'as on te prend pas au sérieux. <non> <rire> <Ouais>. <rire> <rire> euh, est-ce que, euh... Est-ce que, ah, est que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on lui de demande de déposer quelque chose dans le verre? Euh, c'est comme tu veux, je, 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 je sais si la pas la si. Ouvrir, hein. Hein. Alors, enfin, on a une tradition dans la, dans la, dans le, dans le podcast qui se fait qui se perd d'ailleurs, cette qui tradition. Se... <laughs> une tradition qui se perd. C'était de demander à l'invité de déposer quelque chose dans le dans le verre, c'est-à-dire de laisser une lecture, une musique, euh, un poème, un, un voilà, quelque chose qui a qui le touche, qu'il a envie de partager. Ça peut être juste des phrases, comme ça peut être de la poésie, un livre, une pensée, une pensée, une musique, euh, et une guitare là, si tu veux. Donc, dis-nous. Non, euh, je pourrais peut-être avoir envie de dire euh, d'indiquer une musique qui est, qui est vraiment très belle, et, et du coup j'aurais la sensation à ce moment-là de laisser quelque chose de beau et de joli. Et le premier truc qui me vient à l'esprit c'est celui-là, c'est parce que c'est une référence quand même assez euh, qui 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 vient ce qui me vient souvent quoi un jour j'étais un jour je rentrais d'Alger et ma fille avec sa maman de laquelle j'étais séparé euh, était donc restée à kind of mm -hmm. je ou un âge quitté je fais toujours fait des allers-retours au luck et à cette époque là c'était très difficile pour moi de quoi tu vois même si je venais souvent etc mais c'était une déchirure vraiment forte. Et arrivé à Orly, je suis rentré dans un taxi. Je suis rentré dans un taxi et je m'assois à l'arrière et j'entends ce truc au fond de la radio du taxi, quoi, tu vois. J'entends, quoi, comment ça chante, ça, déjà. Ta-da. le taxi et je suis assis derrière et je pars de Orly vers là où j'habite et je l'écoute et je pleure parce que c'est tellement touchant comme musique que j'ai que ma, ma fille dans 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 mon cœur dans dans mon âme dans mes larmes qui coulent dans mon truc et ça c'est devenu emblématique de 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 ça s'appelle Vocalise de Rachmaninov, c'est pas la peine de chercher, c'est dans ta machine. Ça s'appelle Vocalise et c'est d'une extrême beauté parce qu'il y a une architecture musicale dedans mais monstrueuse et d'ailleurs ça tu peux presque aussi l'interpréter à l'oriental. Ouais. C'est ce que moi je, je pensais à Moshe au début mais j'ai pas reconnu. Ouais, moi je peux euh, j'ai tellement de projets encore dont ce type de choses, par exemple, tu mmh. vois. Non pas faire Mozart l'Égyptien, l'Égyptien, parce que ça c'est un des disques les plus pourris que je connaisse, tu vois. Je sais pas si vous connaissez ce truc-là, qui a fait mmh. un buzz incroyable dans les années 90, je vais dire. Mozart l'Égyptien, d'un compositeur français. J'aime pas être méchant. Je ne suis pas, <laughs> je ne suis pas négatif, mais c'est une, une euh, imposture quoi. Mais imposture, le le morceau. Non, hey, attends, me dis, je m'indique parce que. Tu vois, et donc, Osma, j'entends ça à un moment donné, et c'est déjà, c'est déjà le choix déjà Le choix, mais qui pourquoi Parce que c'est déjà une des musiques les plus galvaudées de la musique classique, du répertoire de Mozart, d'accord Je sais pas quoi, bla bla bla, bla. Alors, j'ai tellement c'est le charral, pardon, pardon, pardon. pardon d'être méchant mais c'est du mauvais goût voilà ce, voilà ce que j'appelle le mauvais goût c'est horrible parce que c'est évident c'est con et stupide et puis on s'attaque pas à Mozart comme ça et puis n'essaye pas de rapprocher les cultures en, en, en avec du mauvais goût les cultures s'approchent avec de la délicatesse et du respect et du sacré au roi un jeu de doc. Alors, c'était un nouvel épisode de ZitKess avec Safi Boutella. امين خويا اليك الخط راك ايسوف لي في لافوا تاعك على بالك دانا في لي مونتاني روس لي مونتاني اركيولوجيك دانا معاه بارتو لي مونتاني روس سون سو بروبري فيغوري الزرابط المحاين الحب كلش فيه كلش اي سي اون سي اون ليجوند فوالا فوز افي اكسي ا دي شوز تري تري نوبل سي اون ماستر كلاس تاع لا باليت ايموتيف comme le disait Rasim, euh, c'est aussi une, une, une générosité euh, une fois qu'il échange avec nous, et puis euh, je ne sais pas, je sais pas comment vous dire, je, je vais juste remercier une personne en particulier qui nous a beaucoup aidé pour, pour, pour avoir son contact, c'est Samira Brahmiya, merci beaucoup Samira, euh, il a eu la chance de travailler avec elle, et, et euh, merci, merci à lui aussi d'être passé. Tu sais... Il a dit un truc à un moment donné. Il a dit qu'on a le Et tu sens la déception qu'il a. Je ne sais pas toi, mais moi, en l'écoutant parler, c'est comme si j'ai eu droit à cette Gezair. C'est ce que je dis c'est qu'on a, eu, euh, a eu accès à l'histoire, les gens qui ont fait, fait les interviews. Les gens, ah, ce genre d'entretien, sur les et c'est pour ça qu'on a créé ce putain de podcast. <laughs> merci encore l'équipe. écrivez-nous. n'hésitez pas. Euh, vraiment. bah, on est très, très contents bah, de, de, de vous avoir euh, parmi nous. on est très content d'être dans vos oreilles. et comme d'habitude, kid, nous zidou